L'homme jeune marche plus vite que l'ancien, mais l'ancien connaît le chemin. C'est par cette sagesse d'Ogon, peuple du Mali, que nous entamons cette autre belle balade cognitive au cœur des mystères. Tout le jeudi, lorsqu'il est 21h du Cameroun, le temps suspend son vol et laisse gratuitement entrer chez vous, pénétrer chez vous la lumière, la connaissance et certainement beaucoup d'expérience à travers la série de débats qui ont été déjà décryptés sur ce plateau. Ils sont déjà confortablement installés, nos invités, mais pour une mise en condition, une pause s'impose. Le laboratoire Morgan Wilfried organise l'opération mille fois merci en l'endroit de tous ses clients et à l'occasion pour deux programmeurs achetés, un lot gratuit au choix entre la lipocavitation pour en finir avec les graisses abdominales et l'hydrothérapie du côlon pour traiter les ballonnements digestifs et la constipation chronique. C'est à vous de voir. Contact et distribution. Avec le programme Minceur Parc Premium 3ZUH, vos graisses ont enfin trouvé garçon. Un moment devenu culte dans l'histoire de la télévision au monde, et ça se passe sur Vision 4 Télévision, l'épicentre de cette lumière et qui se métastase de plus en plus à travers, bien sûr, les instances médiatiques. On va saluer Dr Etundi qui est avec nous, un grand didacticien, un grand pédagogue et d'ailleurs le fruit des efforts qu'ils ont bien sûr produits du côté d'Issam est manifeste, un résultat qui aujourd'hui laisse pratiquement la bouche ouverte à tous ceux qui pensaient encore que au Cameroun, on ne peut pas avoir des institutions académiques d'envergure. Issam, une référence, docteur Etundi. Bonsoir. Oui, bonsoir Nathan, bonsoir à nos téléspectateurs. Les téléspectateurs de Vision 4, hein, ce n'est pas les miens, ce n'est pas ceux de Au cœur des mystères. C'est ceux qui nous suivent parce qu'ils trouvent leur compte dans ce que nous proposons. Heureusement que ce que nous proposons est contradictoire. Et pour parler d'Issam, nous aurons à dire quelque chose de spécifique, c'est que on a voulu en quelque sorte abattre Issam en plein vol. Ça a été partiellement réussi, mais je pense que Issam a fait preuve de résilience, puisque à l'heure actuelle, on voit bien les jeunes qui s'acheminent vers Issam pour aller prendre des renseignements. Ça signifie que tout n'a pas été détruit et que, bien au contraire, Issam, avec les résultats qu'il a obtenus et le dispositif qui est mis en place pour cette rentrée académique, je crois que cet établissement va poursuivre son bonhomme de chemin. De la même manière qu'on peut avoir d'autres établissements sur la place. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il est possible qu'une autre éducation soit possible au niveau du Cameroun. Une éducation dédiée à l'excellence. À l'excellence. Et c'est à ce niveau que Issam a mis le curseur et nous pensons que jusqu'à présent, ça lui réussit plutôt bien. Et nous ne pouvons que lui souhaiter bon vent. Pour que dès la rentrée prochaine, les résultats soient plutôt exponentiels dans le sens le plus favorable à la jeunesse camerounaise. Alors, Ndibo Kasouna, c'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau une fois de plus pour ces agapes culturelles, culturelles, intellectuelles et forcément spirituelles. C'est moi qui vous remercie, King Nathan Amogou, de m'accorder le privilège de participer à un débat qui regorge de nombreuses têtes pensantes. Je voudrais ne pas manquer de réitérer mon soutien inconditionnel à Sa Majesté Jean-Pierre Amogou-Belinga. Tout à l'heure, vous parlez de l'Issam, mais il n'y a pas d'Issam sans Jean-Pierre Amogou-Belinga. Et donc, quand je l'ai dit, je voudrais aussi présenter ma reconnaissance à tous ceux qui, sans être vus derrière la machinerie autour de Jimmy Banel Lagaffe, se démène pour que nous soyons le mieux écoutés dans les différents quartiers de Yaoundé, dans les différentes villes du Cameroun et du monde entier. Je vous remercie de m'avoir fait l'honneur. Merci, il est avec nous, c'est docteur Stéphane Nkongabaté. Il est spécialiste, bien sûr, en droit canonique. Bonsoir, docteur, et bienvenue au cœur des mystères. Que d'embouteillage à Yaoundé en cette période, bien sûr, de pluie, le climat il est dans. On se rend forcément compte que. On devrait certainement affûter ou préparer son programme bien à l'avance. Bonsoir. Bonsoir, Kinatan. Merci de me réaccueillir de nouveau.
C'est avec une certaine joie que je retrouve nos coéquipiers habituels. Il y a une flopée de personnes qui souhaitent être saluées. Je ne suis pas sûr de répondre à toute cette exigence, mais je voudrais quand même saluer le père Yobi Barthélémy, spiritain qui nous suit assidûment, le père Onagi Serge du côté de Vogada, tout le fan club qui s'est formé du côté de Sambilima et de Mona Vebe, et beaucoup d'autres personnes. J'espère me souvenir tout au long de l'émission pour pouvoir sacrifier à ces civilités d'usage. J'espère pouvoir, je suis là d'abord en posture d'apprenant parce que je lisais encore ce matin le livre de Tchèque Antadiop sur la question. Donc, on écoutera, on parlera. Et bonjour à tous les téléspectateurs aussi. Merci, mais à la seule différence qu'ici, nul n'entre que s'il n'est géomètre, on n'apprend pas ici. Alors, le doctorant qui est doctorant en histoire des civilisations et des religions est là. Kemoué Otep. Otep Nathan Amougou, merci pour l'invitation une fois de plus. Otep aux différents panélistes ce soir. Otep également aux populations des Kounou et ses environs, notamment à ceux du lieu dit Ezazou Village. Et ceux d'Ekié. Otep à toutes ces personnes-là qui sacrifient au rituel chaque jeudi pour pouvoir nous écouter. Otep aux techniciens qui font un travail de fourmi magnifique pour que nous soyons vus et écoutés à travers le monde. Otep particulier aux populations d'Akweman qui encore ce soir sont attablées pour pouvoir suivre cette émission. Je dis un Otep particulier au top management de cette maison qui a bien consenti à ce que ce médium puisse être afin que, à travers les différentes articulations de cette dernière, que nous puissions également apporter du peu que nous pouvons pour et l'édification et apprendre également de ceux que nous connaissons et de ceux que nous pouvons rencontrer ici et là. Une fois de plus, merci pour l'invitation. Merci. On voit qu'on constate davantage qu'on aura beaucoup d'élèves ce soir. Docteur Etoundi qui élève à la Rose Croix depuis 30 ans. Docteur Stéphane qui est venu apprendre. Docteur Kemoué qui également s'aligne dans cette même dynamique. Docteur Abraham, pour Père Abraham Nicolas, prêtre catholique romain, bonsoir et bienvenue au cœur des mystères. Ce soir, on parlera, on va approfondir les recherches sur la cosmogénèse kémitique. Bonsoir Nathan, bonsoir à tous les copanélistes, bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. Je crois que le thème que nous allons aborder ce soir est très intéressant parce que les problèmes sur la création, c'est toujours important de les évoquer pour que chacun puisse s'y retrouver. Donc je vous remercie de m'avoir invité pour participer à ce banquet intellectuel, comme vous avez l'habitude de l'appeler. Merci. On va également faire un clin d'œil à nos envoyés spéciaux qui sont du côté du Gabon et qui abattent un travail de fourmi de ce côté. Je pense à Bruno Bidjan et à Raoul Christophe Mbia qui nous proposent naturellement une vie holistique, une vie panoramique, bien sûr, du peuple frère gabonais sur le plan économique, sur le plan politique et même pratiquement dans tous les contours. Bon séjour à vous, très chers frères, et à tous les Gabonais qui nous regardent. Et recevez le bonsoir d'au cœur des mystères. Monsieur Jacques Nkodo également nous regarde en ce moment. Jacques Nkodo, quelque part ici ensemble, bien des choses à vous. On va marquer une autre halte et on entre dans le sujet avec cet élément qui nous permettra de comprendre jusqu'où peut aller l'homme. Ensemble, on le déguste. On a frôlé le pire ce mercredi 13 septembre au village Nomayos 1, situé à 12 km du centre-ville de Yaoundé. Au cœur des palabres, 21 hectares de terrain qui divisent les familles Mvong et Faélé et la grande famille Mvong Ngemba. Il y a eu un titre foncier maire dont nos parents également gardaient des terrains à l'époque avec des plantations. Nous sommes tous des Mvong Fouda, eux ils sortent de Etil Bibara. Ils ont donc appelé les Mvong Ngemba pour venir
racler les abords de route. C'était ça au départ. Famille Mvor Faïlé leur a donné une portion de terrain pour y cultiver. Une affaire foncière qui remonte au lendemain des indépendances. Pour comprendre au détail ce qui divise réellement ces familles qui ont longtemps cohabité, nous sommes descendus sur le terrain. Ici, les 21 hectares querellés ont commencé à être occupés par la famille Mvor Faïlé qui se réclame propriétaire. Ce sont les limites que nous avons données sur ces terrains. Ils ne doivent pas traverser sur les limites naturelles que nous connaissons. Donc s'ils restent sur les limites que nos grands-parents les avaient données, nous n'avons pas de problème. Grégoire Ngembabala, sexagénaire représentant la famille Mvor Ngemba, s'est dit légitime propriétaire et unique détenteur du titre foncier numéro 12588 qui a vu curieusement le jour le 14 juin 2023. Il bien à la conservation foncière de Ngoumou. Tout le monde peut aller vérifier. Tant même comme un riverain de ce monsieur, nous n'avons jamais été contactés, au grand jamais, qu'il y a une commission consultative, comme d'habitude a toujours été. Titre faux, il est tout simplement faux, puisqu'on vous dit que le titre est sorti en 2023. En 2012, il ne devait pas avoir un titre maire. Le procureur de Ngoumou, accompagné du commandant de brigade de Mbankomo, présent sur les lieux après concertation avec les deux parties, ont levé l'angle. Comment Grégoire Ngembabala a-t-il fini par obtenir le titre foncier en juin 2023 sur une affaire qui date des années 70? La curiosité et la soif de comprendre vont nous conduire à des révélations troublantes. Puisque moi j'ai établi mes 5 titres fonciers en 2012, ce qu'on m'a dit en Ngoumou, que tous mes titres sont annulés. Deux cartes ou dossiers techniques à notre possession. La première carte met en vitrine une ligne de démarcation présentée ici comme limite naturelle pour éviter aux deux familles de s'affronter. Pour faire là, avait 11 quelque chose. Les Vogemba avaient 9 quelque chose. Aujourd'hui, c'est que justement, les Vogbilois, M. Ngemba, n'est-ce pas, a introduit tous les 21 hectares alors qu'ils en avaient 9. Sur la deuxième carte, la ligne de démarcation a disparu mystérieusement au profit de Grégoire Ngembabala, qui détient désormais les 21 hectares au détriment de la famille Mvor Faïlé. 39 hectares, 45 à 69 centiares. Allemand donc aujourd'hui, Ngemba s'introduit dans un faux en utilisant la carte de globalité de ce terrain qui ressort d'une superficie de 21 hectares en annulant la ligne de démarcation qui sépare les deux familles. Le climat est tendu, l'ambiance est lourde, avec une température qui monte à chaque moment ici au village Nomayos 1. Comme la mort. Il a quoi ici? Le problème, c'est à dépasser son père. D'aucuns parlent de faux et usage de faux. D'autres indexent une grosse machine mise en branle pour s'accaparer les terres de la famille Mvor Faïlé avec la complicité d'une certaine autorité administrative et judiciaire à Ngoumou dans le département de la Mofo et à Kono. Affaire à suivre. Le monde est terrible. Mais vivons seulement. Djibokasso, on a 30 secondes, chacun donnera son avis sur ce qui se passe au Cameroun, à Yaoundé et partout ailleurs, le problème foncier. Mais c'est à vous donner envie de vous évader. On ne peut pas comprendre que nous soyons dans un état où l'argent supplée la morale. Comment peut-on expliquer qu'on annule un titre foncier? Comment peut-on expliquer qu'un même terrain ait plusieurs titres fonciers? Ça fait vraiment mal de voir dans quelle fosse est-ce que la moralité... Et j'ai dit en chutant qu'il va falloir véritablement assainir la moralité publique. Parce que ça, c'est les gouvernants qui sont responsables de ce genre de cafouillage. Or, malheureusement, ça peut nous amener à des situations tellement complexes qu'ils ne seraient pas eux-mêmes en mesure de les résoudre. Merci. On va s'arrêter là. C'était la réaction du patriarche, en rappelant bien sûr que du côté du MINCAF, il y a un monsieur de ce côté qui est droit dans ses bottes et qui a un travail conséquent pour réguler pratiquement tout ce qui est domaine foncier. Et rassurez-vous, s'il y a eu quelque quoi que ce soit, le ministre en charge va siffler la fin de la récréation parce qu'il le fait déjà et très bien partout au Cameroun. On va rentrer bien sûr dans le vif du sujet, le sujet qui nous concerne d'ailleurs tous, à savoir quels sont les piliers de la spiritualité, de la théologie kémite ou kémitiste. Alors, Djibokas, on va vous passer la parole. Vous nous avez dit la semaine dernière qu'à travers, un bel exposé d'ailleurs, que l'existant
l'existant qui est Dieu n'a pas toujours été. Alors, on veut savoir si l'existant qui est Dieu n'a pas toujours été et qu'il est sorti d'un méta-univers appelé Nun, d'après vous. On veut savoir, est-ce qu'il a existé avant le Nun ou après le Nun? Il me semble que je n'ai donc pas été bien compris, parce que je ne pense pas avoir un seul instant dit qu'il n'a jamais été. Parce que nous estimons, j'explique que le nun est un concept d'essence et de semence, dont l'essence est la matière et dont la semence est l'énergie. Et nous estimons que Dieu est énergie. Et cette énergie était latente dans le nun, parce que lorsque la création doit être mise en exergue, elle ne se fait pas de manière spontanée. Comme on a l'habitude de le dire, il n'y a pas de génération spontanée. Et la conscience universelle, avant d'implémenter l'existence de quelque chose, elle doit d'abord s'assurer qu'elle soit en harmonie avec ce qui est et tout ce qui sera. Quand ceci est dit, nous, je suppose que ceux qui ont cette perception de mon discours se sont plutôt accrochés sur le principe du démiurge Atum. Oui, parce que, et je signale que étant petit, Atum veut dire énergie. N'importe quel Ewono sait ce qu'une grand-mère au village appelle Atum. Et n'importe quel bétis sait ce qu'on appelle Atin, qui fait allégeance à Aton. Et donc, vous comprenez que ces différentes nomenclatures nous ramènent à une origine qui nous est propre. Et donc, on ne peut pas prétendre que Dieu n'eût pas été et qu'il eût apparu comme ça un jour. Non, Dieu est énergie. Le Dieu que nous disons n'existe pas, c'est celui qui aurait la barbe, qui s'assoit, qui a des sentiments, qui parle aux gens, et ainsi de suite. Parce qu'en chutant, je voudrais quand même m'étonner de ce que, pendant plus de 350 000 ans, l'homme noir était là sur la terre. Jusqu'à l'homo sapiens, sapiens qui apparaît il y a 150 000 ans. Et qu'on dise qu'un jeune homme est apparu il y a 5000 ans et qu'il vient nous dire que Dieu lui a parlé. Et nous, on a quand même été là 350 000 ans, nous savons que Dieu ne parle pas. Merci. Votre Dieu ne parle pas, votre Dieu est muet. Alors, Père Minkala, vous avez un Dieu vivant, un Dieu qui parle. Et lorsqu'on écoute, ou bien lorsqu'on a écouté l'exposé brillant de Ndjibokas la semaine dernière, il dit que Dieu est sorti des eaux primordiales appelées Nun. Alors, je voulais savoir, ce méta-univers appelé Nun a donc existé avant même l'existence de Dieu lui-même. On aimerait avoir une précision à votre avis. Vous savez, Ndjiboka, je crois que cette semaine, il a eu l'occasion de se rattraper, de se récultiver, d'apprendre d'autres choses en ce qui concerne ses déclarations de la semaine dernière. Alors, le nom dont parle l'Ékémitique, c'est quoi? C'est la matière chaotique incréée. Et ils disent que dans cette matière chaotique incréée se trouvent tous les archétypes des êtres qui puissent exister et ou bien qui vont exister. Donc tous les archétypes sont dans le nun. Et Ndjiboka l'a dit la semaine dernière. Bien sûr. Voilà, il dit maintenant bien sûr jusqu'à l'archétype de Dieu, parce que Dieu en question est sorti du nun. Pourquoi? Parce que selon les Kémites, ils disent que il y a ce qu'on appelle le Kepra, qui est le principe du devenir, et que Ra, qui est considéré comme étant le dieu créateur ou bien demiurge créateur, qui lui donne le nom qu'ils veulent, mais ce dieu-là a une place primordiale dans la réflexion des Kamites. Alors, ils disent que ce dieu n'est rien d'autre que le résultat de l'action du Képri dans le Nun. Alors, la question qu'on pourrait se poser est: comment est-ce que le Képra, qui est le principe du devenir, a pu agir dans le Nun? Bon, maintenant, lorsque lui, il parle du Nun comme un univers, lorsqu'on parle d'univers, c'est un composé d'éléments. Sauf s'il veut m'apprendre autre chose. C'est pour ça que j'ai posé la question. C'est une réalité matérielle. C'est pour ça que j'ai posé la question de savoir. Maintenant, comment est-ce qu'une réalité matérielle peut exister si elle n'a pas été créée? C'est ça qui demande, est-ce que cette réalité matérielle, ce Nun, ce méta-univers a existé
avant le créateur lui-même. Non, non, je le dis non. Solennellement, ce n'est pas possible, ce n'est même pas logique que quelque chose de matériel puisse exister sans qu'il y ait un créateur, sans qu'il y ait un premier moteur. Comment est-ce que la matière a pu se former? Qui a formé cette matière-là? Si nous sommes ici, nous sommes en train de travailler autour d'une table. Cette table a été fabriquée. Ne me faites pas savoir que la table puisse exister avant son fabricant. Ça serait impossible. Dieu est l'être suprême par excellence qui a tout créé. Si le nous existe comme étant un univers chaotique, c'est que ce nous a été créé par l'être suprême par excellence qui est essentiellement Dieu. Et d'ailleurs, un groupe donc de Dieu était au-dessus du nous. Mais vous voulez que je parle en arabe pour que vous puissiez comprendre, en vos mangas pour que vous puissiez comprendre que lorsque je dis que l'être suprême par excellence, les kamites un peu sérieux considèrent que parce qu'il y a plusieurs... Père Minkala, vous savez, nous sommes ici dans la cosmothéologie kamitique. Oui. Et c'est important d'aller de manière apodictique. Oui. C'est pour ça que je pose la question. Alors, la question que vous posez est très intéressante. Alors, il y a un groupe de kamites qui considère que Dieu, qui est unique, parce qu'il parle de l'unité de Dieu, ce Dieu-là est créateur et qu'il a donné la vie à tout ce qui existe systématiquement. Tout ce qui existe, le Dieu unique lui a donné la vie. C'est ce Dieu-là qui fait exister tout ce qui existe. Merci. Alors, Djiboka Sohona, avant de passer la parole à Père Stéphane, vous vous êtes pas fait comprendre, Père Minkala recadre. Père Minkala ne recadre rien, il s'enfonce beaucoup plus. Et je comprends parfaitement qu'il ne comprenne pas. Parce que Père Minkala ne peut pas faire usage de son sperme. Le sperme, c'est le prototype même du nun. Parce que quand Père Minkala dit que ce n'est pas... Monsieur, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Quand il prétend que quelque chose... Il n'est pas possible que quelque chose de matériel puisse exister sans que quelqu'un, sans qu'il y ait un créateur. Alors que nous lui parlons d'archétype, il faut qu'il comprenne que dans le sperme, il y a les cheveux. Dans le sperme, il y a les os. Dans le sperme, il y a encore le sperme. Mais bien entendu, le bébé qui naît a en lui potentiellement tous les éléments de sa croissance. Et donc, vous voyez au départ, et les Camerounais ont une expression, « Mets-moi Lola ». C'est-à-dire ? C'est-à-dire que « Fais-moi l'amour ». Or, nous savons que faire l'amour a pour but fondamental la procréation. Donc, vous comprenez que, de manière naturelle, le sperme humain, animal et même végétal est là pour vous montrer ce que nous appelons archétype dans le nom. Merci, Père Minkala. Permettez que je réagisse. Hein. Alors, d'où vient le sperme? C'est la question qu'on peut poser à Ndivokas. Le sperme vient comme ça, ça atterrit comme ça dans le monde. Le sperme sort d'où? Le sperme sort d'un être humain. Ça sort de quelque part, monsieur. Bon. C'est pour vous dire que le nun sort de quelque part. Le nun sort, pour utiliser un anthropomorphisme, le nun sort de la base. Vous savez, je ne veux pas faire du ping-pong avec merci. Mes gars. Le sperme, justement, ne sort de nulle part. Ah bon. Il n'y a pas une poche dans donc le corps. Il se promène comme monsieur, ça dans la nature, il monsieur. Il n'y a pas. Dans le sperme, le si sperme se promène comme ça dans la nature. Si vous avez fait un peu de oui, biologie, monsieur, il n'y a monsieur, pas dans le corps humain une poche contenant du sperme. Merci. Le sperme survient de manière spontanée. Docteur Etundi, alors... Dans la nature. Ce supra-univers qui contenait pratiquement toutes les conditions initiales à l'apparition des éléments constitutifs de l'univers actuel sous une forme informe. Alors, on est quand même tenté de se poser la question, qui a raison quand on sait que la question de savoir qui a créé Dieu a toujours été l'objet de beaucoup de curiosité. D'accord, avant que d'y arriver, tout à l'heure vous me parliez de l'ISAM. J'ai oublié de mentionner que demain, il y a une journée de l'excellence à ISAM, où on prime les meilleurs étudiants. Il n'y a pas beaucoup d'institutions universitaires qui le font. Et on avait pensé que ce n'était pas possible selon la conjoncture actuelle. Donc c'est tout à l'honneur de cet établissement qui vise le haut. Et pour revenir rapidement à la question que vous me posez, quand je définis Dieu, je ne vais pas définir Dieu seulement comme l'énergie. On veut parler de, non, on veut parler de ce supra-univers oui, qui, d'après les explications des uns et des autres, oui. Contenait toutes les conditions initiales c'est à l'apparition des éléments constitutifs de l'univers ben actuel. Oui, alors, sous quelle forme? Sous une forme informe? J'en viens.
Dieu n'est pas seulement énergie, Dieu est la source de toutes les énergies. Oui, la source de toutes les énergies. Oui, ça signifie qu'il n'y a aucun nous qui puisse exister avant, oui, sans Dieu. qui puisse préexister avant Dieu. Puisque l'énergie qui donne naissance au nous, malgré tous les types d'archétypes qu'on peut imaginer, ne peut provenir que de la source des énergies. Et que dit de ce bouillon archétypal dont parle Djibokas? Mais le bouillon archétypal, c'est déjà dans le révélé. Parce que Dieu est à la fois révélé et non révélé. Donc, lorsque vous voyez déjà la révélation de Dieu qui est multiple, lorsque vous voyez déjà, ça ne peut pas être Dieu, ça ne peut être qu'une manifestation de Dieu. Entendons-nous? Dieu est à l'origine de tout. Alors, me dire que, et d'ailleurs, ils ne l'ont pas dit, hein, lors de la dernière émission, j'insiste là-dessus, ce n'est pas le mot Dieu qui a été prononcé, c'est le mot démiurge. Et démiurge signifie un Dieu non achevé, c'est un demi-dieu. Ça signifie c'est un régent qui a été effectivement appelé à la vie pour pouvoir gérer le monde de la chute. L'homme a été chassé du royaume divin originel. Les anges de l'époque, ce qu'on peut appeler les anges, ont été chassés du royaume divin originel. Ils ne pouvaient plus rester dans le royaume divin. Il fallait leur créer un monde. Et c'est le monde qu'on tente ici de diviniser. Voilà le problème. Vous voulez dire que les Kamites sont en train de surfer dans une chimère qui ne dit pas son nom? La chimère au niveau des Kamites, elle est multiple. Si je pouvais avoir le temps de dénoncer les chimères kémites. Nous sommes encore sur la cosmogénèse. Voilà. Kémitique. Bon, donc j'aurai le temps de parler. Dieu, qui est une entité des eaux primordiales, donc oui. Une émanation des eaux primordiales. C'est complètement faux. C'est complètement faux. C'est une aberration. Mais peut-être que dans leur langage, dans leur cosmogonie, ils y comprennent quelque chose. Encore faut-il qu'ils comprennent même ce que le kémitisme. Parce que moi, j'ai l'impression qu'ils ne comprennent rien et ils s'en mêlent les pédales. Djibokas ne comprend rien? Non, Djibokas n'est pas kémite. Je vous ai dit lors de la dernière émission qu'il c'est un pêcheur en eau trouble. Là-dedans, par rapport au kémitisme, il oui, n'est même pas concerné. C'est vrai. Pêche en eau trouble, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est ni kémite ni non kémite. Bon, il est capable de contredire tout le monde sur le plateau pour juste apparaître quelque chose. Il n'est pas concerné par ce débat sur le kémitisme. Aujourd'hui, il peut vous dire qu'il est kémite. C'est la réalité de ce soir. Mais Djibokas, non, Djibokas est dans son couloir. Djibokas est dans son couloir qui n'a rien à voir avec le kémitisme. Alors, sauf que le plateau et le seul kémite parlait tout seul. S'il vous plaît. Non, je n'ai pas dit. Ça ne me plaît pas. Je n'ai pas dit que vous n'aviez pas raison d'être invité. Mais je dis que... Mais je ne vous ai jamais dit que j'étais kémite. Ben voilà, donc... Vous n'allez pas m'empêcher cette pandémie d'arriver. Donc vous apportez de l'eau à mon moulin. Non, pas du tout. Mais si, puisque je dis que vous n'êtes pas kémite. Et donc... Et puis je n'ai pas raison d'être là. Non, c'est des alliances opportunistes. Ce soir, ça vous plaît d'être kémite, ou bien de jouer, ou bien de jouer la carte du kémite. Ça vous aurait plu que je fasse une alliance avec la Rose Croix? Non. Nous parlons du kémitisme. Moi, je ne range pas Djibokas dans le kémitisme. Je vous dis, il pêche en eau trouble. Mais quand il pêche en eau trouble, oui. Vous insistez pourquoi? J'insiste dessus parce que c'est une alliance opportuniste qu'il fait avec le kémite pour exister, surtout pour contrecarrer et le rosicrucien et le catholique, etc. C'est juste ça. Oui. Ça signifie qu'après les émissions, après cette série d'émissions, il est capable de s'en prendre le kémite pour dire tu ne vaux rien. Parce que... Mais là, pour l'instant, le kémite joue son rôle. Son rôle qui est celui de parler de la primauté de la civilisation africaine, et ce qui ne signifie pas le kémitisme. Parce qu'à vrai dire, le kémitisme en tant que concept, et en concurrence avec d'autres. Merci, docteur Etoundji. C'est important. Non, nous sommes sur une thématique qu'on ne va pas s'en éloigner davantage. Merci. Alors, le monde est fait d'alliances, et nous constatons et de contre-alliances. Et nous constatons aujourd'hui, d'ailleurs, que le roi du sud de la Corée du Nord, le patron de la Corée du Nord, a rendu visite au Kremlin. Une alliance est en train de se tisser. Voilà, les guides iraniens également en train de tisser des alliances avec le Kremlin. Peut-être que cette alliance opportuniste du Bokas
le Nazirien et le Kémite sur le plateau peut voir des jours meilleurs. Alors quand même, la cosmogenèse kémitique est quand même un des éléments importants à comprendre pour aborder les pionniers problèmes de la théologie kémite. Et aujourd'hui, vous voyez, au premier jet, on a déjà pratiquement des camps qui se sont formés et des oppositions qui se dressent. Je ne sais pas ce qu'on appelle coalition opportuniste. Demandez à Dr Etundi peut-être. Bon, lui seul sait ce que ça veut dire. Il y en a qui me comprennent. Première chose, j'aimerais dire au Dr Minkala qu'on ne dit pas Kepra. C'est une très mauvaise lecture. C'est Kepera. Et Kepera ne veut pas dire le devenir. C'est la transformation. Parce que le scarabée... le scarabée qui est le sémantème ou le déterminatif est dans l'action de transformer une boule qu'il a. Et cette boule, notamment, c'est le soleil. Cette transformation a deux objectifs précis. Premièrement, gagner en volume. Deuxièmement, gagner en puissance. Et c'est cette transformation, quand on dit Kepera, c'est donc la transformation de Ra. C'est Ra donc qui, dans le processus ou le procédé, part d'un état qu'on peut appeler embryonnaire vers un état qu'on peut contempler à travers sa manifestation visible. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je voudrais dire au docteur Etundi que le démiurge ne veut pas dire le demi-dieu. Démiurge, si on s'en réfère même à la définition platonicienne, c'est le dieu qui commence à créer. C'est ça le démiurge. Ce n'est pas demi-dieu. C'est le dieu qui commence à créer. Et vous avez dit tout à l'heure que c'est Dieu qui crée. Alors ça veut dire que vous êtes en contradiction. Donc c'est ça le démiurge. Alors, l'astrophysique nous démontre que aujourd'hui, l'univers est en perpétuelle expansion. L'astrophysique. Alors, si on entre dans le concept de la création, c'est dit qu'il y a un bonhomme qui est resté quelque part, il a tout fait et ça s'est arrêté. Alors, vous voyez très bien que quand on met les deux côte à côte, on voit que la création est en contradiction flagrante avec les lois physiques. La création. Alors, quand nous parlons du Noun, qui veut dire littéralement les eaux primordiales cachées, l'énergie qui se situe dans ces eaux primordiales, parce que ce sont des canopes, et on ne sait pas ce qui est dans les canopes, c'est pourquoi c'est fermé, les canopes. Alors, tous les archétypes, Dr Minkala le dit peut-être sans le comprendre, ah bon? Tous les archétypes sont dans le Noun. Alors, quand il parle de Dieu, leur Dieu sort alors d'où? Parce que nous... Donc, même leur Dieu est dans le Noun. Non, je ne parle pas de leur Dieu. Regardez bien. Quand ils disent la Genèse, n'est-ce pas? En arabe, je veux dire, en hébreu, c'est Bereshit, c'est-à-dire au commencement. Quand Dieu dit, quand le premier chapitre, le premier verset de la Genèse dit, au commencement, Dieu créa. Au commencement, Dieu sort d'où? Ça veut dire que lui-même, il est avec le commencement. Non. Fatalement. Non. Parce que vous ne nous dites pas d'où Dieu sort. On est dans les écoles de mystère. S'il vous plaît, docteur Etundi, s'il vous plaît. Les mystères que vous n'avez pas compris, non, après 33 ans, vous êtes demeuré un élève. Non. S'il vous plaît. Votre démonstration. On dit au commencement, ça veut dire que Dieu lui-même est là. Il commence. Il est dans les starting blocks de la création. Oui, si parce qu'il commence, il sort d'où? Il sort d'où ce Dieu? C'est la première question qu'on se pose. Chez nous, on vous dit que le démiurge émerge du Noun. Le démiurge émerge du Noun. Et il fait donc le Képer. Ce Képer, donc, qui est transformation, et vous allez voir ce procédé képerique, si vous permettez, à travers tout ce qui existe. Prenons le cas, par exemple, de la procréation. Quand une femme tombe enceinte, il y a d'abord l'embryon, il y a d'abord le sperme, ouais. Le spermatozoïde, l'ovule, croisement, embryon, il se développe jusqu'à devenir fœtus. Du fœtus, on a le nouveau-né. C'est l'élément Képer. N'est-ce pas? Alors, quand on parle des eaux primordiales, Sa Majesté Ndiboka a parlé du sperme tout à l'heure. C'est de l'eau qui est énergie. Parce que sans le sperme, il n'y a pas vie. Quand on parle que l'enfant se développe dans le liquide amniotique,
on parle encore d'un liquide énergétique qui donne la vie. Alors, les Africains, donc, dans un procédé scientifique, en analysant, ils ont compris très bien que si l'eau est le centre de la vie, ça veut dire que tout part de l'eau. Et aujourd'hui, vous allez même voir, quand la théologie biblique reprend ses thèses, sans les comprendre, c'est pourquoi vous allez comprendre que même dans la Bible, l'élément de l'eau est très important. Pourquoi? Parce qu'ils savent pertinemment que rien ne peut être sans l'eau. Et on vous dit, l'eau c'est la vie. Sans eau, il n'y a pas vie. Alors, quand on vient me dire Dieu, Dieu il est où? Il est dans le désert? Il est où? Il est dans les airs? Il est dans quoi? Alors l'Africain vous dit que il y avait donc cet archétype incréé. C'est pourquoi on ne glose jamais sur la question du commencement en Afrique. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas quand ça a commencé. Voilà. On ne glose jamais dessus. Personne ne peut vous dire exactement voilà quand a été déclenché le moment de la création. C'est pourquoi l'Africain parle de génération. Et si les parce que c'était ont... quelque part. Et si les chrétiens ont par exemple les clés à travers la Bible? Non, qu'ils nous disent donc, qu'ils nous donnent donc ces clés. C'est très simple. Qu'ils nous donnent donc ces clés. L'Africain vous dit, moi je ne glose pas sur cette question parce que aussi loin que je peux remonter, je ne peux pas vous dire quand ça a commencé. Quel Africain? Aussi loin. Prenez toutes les cosmogonies, docteur et Tundi, toutes les cosmogonies africaines. Oui. On vous dira ça. Quand le Dogon vous dit que ne parle tout pas est issu. Non, tout, les Dogons sont africains, s'il vous plaît. Oui, et moi, quand ils disent que tout est issu du plus petit élément, c'est quoi le plus petit élément? Le plus petit élément, c'est l'atome. Et quand je vous ai dit ici la dernière fois que quand on dit atome, on rentre à l'atome. C'est le plus petit élément. Il n'est pas sécable, l'atome. L'atome n'est pas sécable. Et ça, c'est complètement faux. Oui, vous vous basez sur quoi? Non, l'atome... Je vous base sur... Non, s'il vous plaît, c'est mon temps de parole, docteur Etundi. Non, c'est fort avec vraiment, moi. Vous racontez donnez-nous des tas de mensonges. Le plus petit élément, c'est l'atome. Ce n'est pas vrai. Et les calculs, aujourd'hui, dans la physique subatomique, a prouvé ceci. Vous allez chuter par pour là. Chuter oui. Que le trou noir du noyau de l'atome... La masse du trou noir de noyau de l'atome. Je vous parle des derniers résultats. Et le spécialiste en la question, actuellement, c'est l'arabe Nassim Haramein, spécialiste de l'atome. Le trou noir, la masse du trou noir de l'atome est égale à la masse de l'univers. Vous pouvez vous rendre compte? La masse du trou noir d'un atome est égale à la masse de l'univers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'atome a été l'élément essentiel. Puisque l'atome ne meurt pas, l'atome est toujours, il sera toujours. Donc vous voyez très bien que quand on vient nous raconter des choses du genre, le Kepra, et d'ailleurs, vous allez voir que Dr Minkala, quand il vient ici, il pianote sur son téléphone portable. Vous voyez, il met la théologie kamitique. Il vous dit, ce n'est pas interdit naturellement. Aussi, je ne vous dis pas. Oui, je le prépare. Pourquoi? Je le prépare, docteur Minkala. Je le prépare. Je prépare. Sauf que vous, vous le faites sur le plateau et vous lisez. Vous ne comprenez rien à ce que vous lisez. C'est pourquoi vous vous en mêlez les pattes, les pieds. Merci. Voilà. Alors, docteur Stéphane, on va revenir quand même sur cette recherche. Ces chercheurs ou experts qui nous présentent ici le Big Bang comme une espèce de pont quantique entre l'univers en expansion et un autre univers en contraction. Tiré bien sûr des magazines Science et Vie, on aimerait avoir votre appréciation en faisant un détour sur le plus petit élément naturel. Vous savez, je suis notre doctorant depuis quelques temps. J'avais à un moment fondé des espérances qui puissent une thèse digeste, mais ce soir, je crois que si son directeur l'écoute, il a de réelles raisons d'être inquiet. Je voudrais dire à son attention que le proton et le neutron sont encore plus petits que l'atome et que la physique quantique, on a dépassé le stade de l'atome il y a bien longtemps. Et c'est vraiment inquiétant qu'on vienne sur un plateau de télévision. Vous dites « on », docteur, c'est qui « on » Calmez-vous. Ne me calme pas, vous dites « on ». Étaler un tel niveau d'ignorance et d'inculture, c'est inquiétant. Je n'attends pas à toi. En écoutant, que ce soit Divocas, que ce soit notre doctorant, on peut encore lui concéder ces quelques écarts. On a notre enseignant qui disait écho tumultueux de connaissances mal acquises. C'est-à-dire que nos deux compagnons de fortune,
essaie de mettre en lien la théorie du Big Bang et la théorie de l'évolution. Et on comprend pourquoi il s'en met les pinceaux. La théorie de l'évolution, nous la connaissons, partie d'un élément et puis on évolue. La théorie du Big Bang, il y aurait un magma primordial et une énergie venue de l'extérieur va enclencher la création. Je crois que c'est ces deux éléments que nos deux amis ont du mal à comprendre. Alors, vous, en tant que, vous dans votre science, hein, que je voudrais bien sûr que vous nous apportiez des éléments tirés peut-être de votre domaine de recherche, après que vous êtes expert en droit canonique, ça veut dire la Bible également. Alors, qui est venu au monde avant l'autre? Qui a créé Dieu? On a un supra-univers, je veux dire univers où on a un existant qui serait informe, tiré de ce bouillon primordial. King Nathan, la question ne se pose pas, Dieu est incréé. Et j'ai été tout à l'heure surpris qu'on dise que dans les cosmogonies, on ne glose pas sur la création. Sur le commencement. Zambé, un comprends pas. Zambé, non, sur le commencement. Zambé. Un tondobe, chez les bêtis, un tondobe, le créateur, un tondobe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire celui qui crée. Celui qui est au-delà des ancêtres, nous le comprenons comme africains. Il y a les ancêtres et il y a un être suprême au-delà des ancêtres. Nous le savons. Et donc, il y a des cosmogonies de la création. Y a-t-il un être au-dessus d'un tondobe? C'est tondobe, le créateur, Dieu, l'incréé. Ça se dit, ça se conçoit chez nous. Bon, lorsqu'il a dit les Africains tout à l'heure, je suis étonné qu'il nous parle d'un démiurge. Le démiurge qui émergerait, et je constate que notre doctorat en plus doit refaire ses classes de platonisme, parce que c'est tout à fait inquiétant. On parle de Dieu et du démiurge, et on parle des dieux. Ça se distingue dans le platonisme, ça existe. Dieu, les dieux, le démiurge, ça existe dans le platonisme et dans le néoplatonisme. Le néoplatonisme partage quelle tire ses sources de quelle force? Du platonisme. De quelle force spirituelle, culturelle et intellectuelle primordiale? Pour revenir à ce que nous disions tout à l'heure, lorsque nous, c'est lui qui a évoqué la question du démiurge. De quelle civilisation en fait? Nous sommes dans les civilisations gréco-romaines. Et là, nous sommes dans le Oui. Et si nous sommes dans le Kenya. J'y arrive. D'accord. Parce qu'il y a un pont entre les civilisations. Vous comprenez? Il y a eu un commerce civilisationnel établi entre les Gréco-Romains et les Égyptiens. C'est tout à fait établi. Et donc, lorsque nous entrons dans la question du magma, comment vous pouvez comprendre que le démiurge qui émergerait de ce magma primordial, il émerge à partir de quelle source? Et l'exemple de tout à l'heure est tout à fait... excusez l'expression, c'est tout à fait étonnant. J'ai entendu tout à l'heure que le sperme serait la matière primordiale et qu'il y a des glandes dans le corps qui fabriquent le sperme. Et lorsque vous êtes malade, ces glandes, lorsque ces glandes ne fonctionnent pas, un homme ne peut pas procréer. Il y a des hommes qui ne peuvent pas procréer et pourtant ils ont du sperme. Pourquoi? Parce que les glandes sont malades. Sur le plan naturel, je suis notre indivocate, je suis inquiet de l'entendre parler. Dieu est incréé, Dieu est au-delà de la création. Et poser la question de l'origine de Dieu, c'est une question inutile, si vous voulez qu'il n'y a pas de réponse. Puisqu'il y a Dieu et c'est lui qui crée. Alors, docteur Stéphane, est-ce qu'il ne serait pas maladroit de penser qu'il peut avoir des questions sans réponse? Il y a questions. S'il y a une question, forcément, il doit avoir une réponse. King Nathan, il y a plein de questions sans réponse. Plein de questions sans réponse. Ce n'est pas que la question de Dieu. Ce n'est pas que la question de Dieu. Il y a plein. D'où vient l'homme? Quelle sera votre destinée demain? Voilà l'objectif visé par aucun des mystères. Donc, il y a, pour dire la question, c'est ça. Il y a plein de questions sans réponse, certaines ou sans réponse exacte. Et ceci, même dans les sciences exactes, on va vous dire approximativement ceci. 6,30. Donc, il y a des questions comme ça. Et nous ne sommes pas dans une question sans réponse. Nous disons que Dieu est incréé. Nous avons répondu à la question. Dieu est incréé. C'est tout. Merci. On va rester courtois. On va rester dans le débat. On va éviter des attaques personnelles.
C'est très important, très intelligent, parce que les téléspectateurs qui nous regardent vous jugent également, vous les maîtres, à travers ces attaques, que ce soit du côté des Kamit ou du côté, bien sûr, de la coalition, d'après certains, qui a été mise sur pied ici. Alors, Diboka Sowona, il y a une question sans réponse. Et la question de Dieu qui pratiquement nous permet d'entrer dans les piliers de la théologie kémitique est d'une importance capitale. Sans aucune forme d'attaque, avant d'arriver à la question sans réponse, je voudrais quand même apprendre sa langue au père Stéphane qui prétend que un tondo beuvé dit le créateur. Mais les bêtises nous écoutent. Un tondo veut dire le fabricant, celui qui est capable de tout fabriquer. Ça ne veut pas dire le créateur. C'est faux. C'est faux. Donc, si vous voulez trouver un synonyme d'un tondo en français, prenez alors l'omnipotent. Quand je sors de là, j'entends que Dieu a chassé l'homme du paradis. Non, jusqu'ici, nous sommes encore dans ton dobe et les téléspectateurs aimeraient comprendre s'il y a une entité au-dessus de ton dobe, parce qu'il y a un Kombot, il y a un ton dobe, il y a Zamba. Nous avons déjà évolué dessus. Voilà, nous vous avons dit que le noir que je suis estime qu'il ne peut même pas nommer le créateur et que nous avons désigné cette chose par le nom de Yor, en tant que celui parti, tout provient. L'Omvet vous apprend que personne ne le connaît. L'Omvet vous apprend que personne ne l'a vu. L'Omvet vous dit que personne ne l'a entendu. Une manière de dire, on n'en sait rien. Or, vous allez prendre la Bible dans le livre de Genèse chapitre 1. Parce qu'à Minkalajou, à ce jeu, on aura beau dire qu'on attaque pas, mais c'est eux qui attaquent. Dans la Bible, vous voyez bien que Dieu n'a jamais créé l'eau. La Bible, je mets n'importe qui, jusqu'au pape de Rome en défi, de me montrer là où Dieu a créé l'eau. Je lis donc Genèse chapitre 1, les deux premiers versets. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était désolation et vide. Et il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. La création commence au verset 3. Dieu dit, la commencement commence donc. La création du Dieu de la Bible. Donc vous voyez là qu'il y a des... Ils reconnaissent qu'il y a déjà les eaux primordiales. C'est la malhonnêteté intellectuelle parce que tous ici, que ce soit la Rose Croix ou les catholiques, savent que la blablabla, c'est des copies collées des enseignements puérils de l'Égypte antique. Ce sont des enseignements puérils de l'Égypte antique. Ça n'a rien à voir avec la spiritualité parfaite. Quand on revient donc à l'essentielle question, à savoir, qu'est-ce qui était là avant Dieu? Non, nous estimons que nous, on ne sait pas. Ça s'appelle de la probité intellectuelle. On ne sait pas. Alors, si on ne sait pas, on imagine? Mais bien entendu, mais qu'est-ce que vous appelez la philosophie? On subjugue. C'est pourquoi on parle des mythes. Toutes les religions du monde sont basés sur les mythes. Mais Osiris n'a jamais existé, physiquement parlant. Horus n'a jamais existé, physiquement parlant. C'est un mythe, c'est-à-dire une lien conceptuel de la vie de la vie. Et tous les gens sont venus seulement. Donc, nous n'avons jamais prétendu qu'au commencement, il n'y avait rien. Non, nous n'avons jamais dit ça. Et nous n'avons jamais dit que Dieu sortirait du nul. Nous n'avons jamais dit ça. La première chose qui sort du nul, c'est Atum. Le démiurge Atum. Et démiurge ne veut pas dire demi-dieu. Parce qu'un demi-pain n'est pas un pain. Alors, si le Kamite ne connaît pas où sort Dieu, comme, tout comme le chrétien, est-il possible de continuer le débat? Voilà pourquoi il est nécessaire. Parce que, voyez-vous, il va falloir qu'on dépoussière toutes les religions du monde pour retrouver les fondamentaux. Parce qu'en réalité, l'Égypte antique nous empêche d'aller visiter a certainement les clés de cette histoire. Nous avons donc l'obligation, y compris eux, qui sont venus copier chez nous. Nous avons donc l'obligation d'y retourner afin de voir est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'aura pas comprise. Et c'est ça
À mon sens, c'est pourquoi je soutiens, je continue à dire que le Kémit sur ce plateau nous a défini le kémitisme comme le désir de retourner à l'origine, à ce passé, pour comprendre les fondamentaux et prendre un départ qui soit le propre départ de celui qui y est allé. Vous êtes en train de dire se réclame Kémit? Oui, oui, bien sûr. Juste sur cet angle, je me réclame Kémit. Si le fait est de me réapproprier ma culture, je me réclame Kémit. Parce que voyez-vous, ce qui est extraordinaire avec l'Occident et les Van Cooter que nous avons dans ce plateau, c'est qu'ils ont nous donné l'impression que les Égyptiens étaient des Blancs. Non, c'est de ça qu'il est question. C'est ce que vous dites en mot voilé, nous comprenons tous du français. Alors monsieur, nous avons l'obligation, je vous ai dit ici une fois, que celui qui ne connaît pas son passé ne peut pas savoir où il est, il ne connaît pas son présent. Et celui qui ne connaît pas son présent ne peut valablement pas prévoir son avenir. Imaginez-vous qu'on vous mette dans un carrefour et vous ne savez même pas d'où vous venez. À partir de quoi vous vous orientez? C'est votre origine qui vous permet de vous orienter pour savoir où vous allez. Vous ne pouvez pas demander à un peuple de ne pas avoir recours à son histoire. Simplement parce que cette histoire vous gêne sur le fait qu'on va y découvrir que vous n'êtes que des simples tricheurs. Merci. Alors, docteur Etundi, vous n'êtes que des simples tricheurs. La coalition russo-chrétienne... Christo-rosicrétienne. Voilà, Christo-rosicrétienne. D'après certains téléspectateurs et même le Kémit sur le plateau qui estime qu'un autre front a été créé là-bas pour essayer d'empêcher aux Kémit de développer leur thèse. Alors, selon certains chercheurs, des experts et experts, le Big Bang est donc cette espèce de pont quantique entre notre univers en expansion et un autre univers en contraction. On est quand même tenté de se poser la question, qui a raison? Les Kémit dans leur présentation de leur cosmogonie ou la Bible dont la Rose Croix d'Or se réclame pratiquement disciple? Il y a déjà qu'au niveau du kémitisme, il faudrait rétablir beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Lesquelles? Notamment... Il faudrait comprendre, parce que j'ai entendu de la bouche du Kémit qui dit au commencement, Dieu était ceci. Il parle de quel commencement? Il y a plusieurs commencements. Et le commencement dont il parle est considéré ésotériquement comme le deuxième commencement. Parce qu'avant ce commencement, on évoque déjà des anges qui ont été expulsés du paradis. Et ce que tout le monde se dit souvent, c'est que, oui, il y a un serpent qui vient parler à Adam, le serpent sort d'où? Le paradis, tel qu'il est dessiné dans la Bible, n'est pas le royaume des cieux. Vous commencez déjà à déconstruire vos acolytes, vos... Non, c'est pas de que je parle. Je voudrais un peu donner des éléments de compréhension. Parce que là, on avait l'impression que vous étiez ensemble tout à l'heure, mais là, quand vous commencez à déconstruire... Les catholiques sur le plateau, ça craint quand même, docteur. Mais je suis en train de parler des ressources bibliques. Il y a un commencement avant le commencement qu'évoque le Kémit. Oui, il y a un commencement avant. Puisqu'on vous parle du royaume divin originel, qui n'est pas le paradis. Parce que sinon, si c'était le paradis, on pourrait commencer par se demander d'où sort le serpent. Le serpent, c'est le symbole du mal. Et le mal... Dans le royaume des cieux, ce n'est pas imaginable. Est-ce que l'herméneutique ou l'interprétation, ou les définitions, ne dépendent pas d'une liturgie spécifique? Ben, une liturgie spécifique, mais il faudrait qu'on le comprenne. Parce que le serpent en Afrique peut avoir une autre connotation. Moi, je veux bien, mais celui-là symbolise le mal. Et c'est lui qui induit Adam et Ève en erreur. Ça ne peut pas être qu'un symbole positif. Donc, dès que je l'ai dit... Je continue dans la logique du kémitisme et de ses représentants ici, parce que Ndjiboka Sabo nous dit qu'il n'est pas kémite, il est quand même kémite d'adoption là. Surtout, comme j'ai dit, de manière très opportuniste. Et ça ne me gêne pas. Non, mais je ne sais pas ce que je vise. Je ne vise pas à te gêner. Je recherche la lumière. Et dans cette lumière, nous sommes en train de dire que, dès qu'on considère que, dans un premier temps, il y a une création dont le Kémit ignore tout. Oui,
sa théologie et tout ce qu'on imagine, ignore tout de cette première création. Et je suis choqué qu'on me dise que les Africains ne s'interrogent pas sur l'origine de Dieu, de machin. Mais ça, c'est comme si vous étiez parmi ceux qui en sont allés jusqu'à dire que le noir n'avait pas une âme. Vous apportez de l'eau à leur moulin. Comment ça? Ben oui, puisque vous estimez que l'Africain est incapable de réflexion philosophique. C'est ce que nous avons dit. Ben oui, puisque votre raisonnement conduit à ça. En quels termes? Je dis bien que votre... Oh, laisse-moi parler. Vous reprenez mes termes. Laisse-moi parler. Ne dites pas... Tu prends un perroquet. Non, ne dites pas des choses qui ne tiennent pas la route. Parce que ce que vous venez de dire là n'est pas correct. Je suis désolé de vous interrompre, mais ce que vous avez dit n'est pas correct. La prochaine fois, tu ne parleras pas. Je vais te couper la parole. Donc, j'étais en train de dire que vous ignorez les questions existentielles par que tous les hommes du monde entier se posent, à savoir d'où est-ce que je viens, qui est-ce que je suis et où est-ce que je vais. Vous me dites que le monde et tous les dieux ont commencé en Égypte. Et c'est ça le problème. Et c'est ça le problème avec vous. C'est ça le problème avec vous. Que dit de leur noun? De leur noun avec tous les éléments constitutifs qui constituent notre monde aujourd'hui, éléments parallèles. Ils n'inventent pas le noun. Le problème avec les Kémites et tout ce qui en quelque sorte s'assimile à eux. Djibokas. Oui, c'est qu'ils veulent nous faire croire que l'origine de la sagesse universelle se situe en Égypte. Et tout ce qui vient après... On ne peut pas te laisser avancer avec un tel mensonge. Jamais dit, docteur Etundi, s'il vous plaît. Vous récupérez la modération? Mais bien sûr, non. Si c'est nécessaire. Nous l'avons mais vous estimez que Nathan ne modère pas bien? Donc je continue. Je ne l'ai jamais dit. Je continue. Nous avons dit que l'humanité est née dans les grands lacs. Je dis bien que vous les mettiez dans les grands lacs. Nous avons été là 350 000 ans. 350 000 ans par rapport à l'âge. Par rapport à l'âge de l'univers. Non, mais vous êtes là depuis 20 000 ans avec vos frères. 8 000 même. Merci. Non, je vais quand même chuter. Docteur Etundi. Oui, parce qu'il y a des pirates qui prennent la parole là. Donc j'étais en train de dire que ça signifie quoi? Ça signifie simplement que ce qu'il faut comprendre dans une posture apaisée, c'est que dans la sagesse, on ne parle pas de voler ou de tricher. Ça n'existe pas. Il y a un trésor de sagesse que l'humanité se transmet de génération en génération. Non, on ne va plus accepter et ça. Et il n'y a pas... Mais Djibokas, laisse-moi parler. On ne va plus accepter ça. Laisse-moi parler. Le trésor est universel quand il a... Laisse-moi parler. Quand il est celui occidental, je vais te couper aussi. Mais je m'en fous. D'accord. Tu es venu... Le trésor est universel. Je dis bien qu'il y a un trésor. Merci. Non, moi, je dois finir. Djibokas, merci. Je dois finir. Merci, Djibokas. Oui, donc, il y a un trésor que l'humanité se transmet de génération en génération, à telle enseigne qu'on ne doive pas parler de tricher. En fait, il y a une adaptation. Ce que les Égyptiens ont réussi à extraire de la sagesse universelle sert à tout l'univers. Alors, docteur Etundi, oui. En un mot comme en mille, oui. Est-ce que vous êtes apôtre ou adepte de la théorie de l'évolution qui a été menée de main de maître par Charles Darwin, ou la théorie de la création qui est pratiquement défendue par les religieux? Moi, je ne sais pas sur quoi je vais me reposer pour évoquer cela. Darwin, je vais résumer. Non, je vais résumer Darwin qui dit que nous sommes partis d'une entité unicellulaire pour être un corps, et on a donné pratiquement le monde d'aujourd'hui. Et il y a ceux qui pensent que Dieu a créé l'homme et il était déjà homme avant de continuer le processus. Est-ce que vous êtes capable? D'autres pays. Je n'ai pas de les deux. Je pose un modèle. Vous êtes chrétien? Oh, chrétien ne signifie pas que tu es fidèle d'une doctrine, même lorsque ta raison te pousse. Non, c'est pour ça que nous, on est les chercheurs. On veut bien adhérer à un courant philosophique qui est le christianisme, dont les écrits ont été déployés dans la Bible. D'ailleurs, avec toutes les manipulations qu'on connaît. Ah, vous voulez dire que Père Minkala et le Pape, le Vatican, auraient manipulé la Bible de manière subliminale? Vous voulez... Non, mais c'est moi qui le dis. C'est qui? C'est l'histoire qui le dit. Que Père Minkala, qui était votre acolyte tout à l'heure, a manipulé la Bible? Mais ils ont manipulé la Bible. Au point
d'extraire de la Bible les livres qui ne les arrangeaient pas. Ce qu'ils appellent les évangiles apocryphes. Ils les ont mis de côté et ils n'ont retenu que le canon actuel de la Bible. C'est eux qui l'ont fait. Est-ce que ça, ne trouble pas davantage le chercheur? Mais le chercheur doit être troublé de savoir que le livre qu'ils ont entre les mains, c'est des morceaux choisis de la sagesse universelle. La Bible n'a été écrite par personne. Il n'y a pas eu un comité éditorial. Il y a une collection d'écrits dont l'Église a choisi de retenir ce qui les arrangeait et de mettre de côté ce qui ne les arrangeait pas. À un moment donné, même au niveau des évangiles, il y a eu une tentative, si vous voulez, de synchronisation qui peut donner l'impression à quelqu'un que tous les évangélistes racontent la même chose, ce qui est loin d'être le cas. Ça fait donc que, lorsqu'on sait que la Bible n'est pas un écrit unique d'un auteur, la Bible est une collection de témoignages spirituels que les gens ont vécu et qu'il serait, à mon avis, malencontreux de vouloir réduire à une dimension historique. Merci. Alors, docteur Minkala, père Minkala, tout à l'heure, vous étiez ensemble, vous cheminiez ensemble avec docteur Etundi. Il vient de vous laisser en chemin en remettant en cause pratiquement tout ce qui a été dit pour le soutenir tout à l'heure. Et ici, ce n'est que la vérité qui... la vérité n'a pas de camp. Et docteur Etundi vous désavoue et dit que c'est même vous, que vous êtes parmi ceux qui troublent même le chercheur. Nous sommes dans la théologie kémétiste. Alors, permettez, malgré le fait que le jeune Kémonier m'empêche d'utiliser mes téléphones, je vais lire deux textes bibliques. Hein. Il s'agit d'abord du livre du prophète Isaïe, au chapitre 44, verset 24. Voici ce que dit la géographe. Ainsi parle le Seigneur, ton Rédempteur, celui qui t'a façonné dès le sein maternel. C'est moi le Seigneur qui fais toutes choses. Seul, j'ai déployé les cieux, j'ai affermi la terre. Qui était avec moi? Il se pose la question. Le deuxième texte que je voudrais lire, c'est l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 3. Suivez très bien ce texte. Grâce à la foi, nous comprenons que les mondes ont été formés par une parole de Dieu et donc ce qui est visible n'a pas son origine dans ce qui apparaît au regard. Alors, je crois qu'il y a un sérieux problème. Lorsque le Kamite parle de la création, il se limite à la raison. Je l'ai dit, on ne peut pas avec et la foi. Vous vous tenez juste mais comme le temps parce que je voudrais que je vous dise ce qui est la définition peut vous donner ce qu'on appelle par quel groupe de Kamites. Alors, je veux vous demander de consulter un Kamite très sérieux. Écoutez. Voilà, Père Minkala, Père Minkala, je vais vous relancer. Alors, vous parlez de raison et de foi. La foi se veut la ferme attente des choses qui se font, la démocratie. Ici, ce n'est pas de la foi. Alors, définir la foi d'après le livre sacré. Oui, quelqu'un a usé ses fonds de pantalons et de culottes sur les bancs, des établissements où on apprend la théologie. La foi, selon moi, c'est la réponse libre de l'homme à l'appel gratuit de Dieu. Il faudrait corriger la Bible ? Il ne faudrait pas. Non, peut-être. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Nous sommes ici là sur... Parce que si l'apôtre Paul d'Ancre nous propose une définition et que Père Minkala vienne remettre cette définition, vienne remettre en cause cette définition à mon nom. Je ne remets pas la définition en cause. C'est une des définitions. D'accord. Quand on parle par exemple de l'homme, chacun peut donner... Allez-y. Je vous la à la Dieu nous a les vers lui. Et on ne peut pas comprendre si on n'a pas faux. C'est la question qui se pose. Si on ne peut pas connaître Dieu, ça quand même juste pour la foi.
pour le connaître. Vous ne pouvez pas être du signe de la foi. C'est fondamental. Et le texte biblique, lorsque vous cassez la Bible, j'ai envie de dire. Ah bon. Et puis, dans une impolitesse qui ne dit pas son nom, il dit qu'on vient faire le blabla. Il faut qu'il apprenne à parler en public. Nous sommes à Mondovision. Vous ne pouvez pas être ridicule jusqu'à ce point, insultant des gens qui viennent faire le blabla ici. Alors, lorsqu'il cite le livre de la Genèse, si on lui demande le livre de la Genèse qu'il vient de citer, c'est un hymne, c'est un hymne, c'est un poème, c'est un récit historique. Il s'agit de quoi? Il ne pourra pas répondre à cette question. Ça? Justement, vous ne pouvez pas parce que vous n'avez pas étudié la Bible, monsieur. Vous n'avez pas étudié la Bible. Votre enseignant était pas intelligent. Voilà. Parce que finalement, vous n'avez rien compris. Bon, finalement, qui n'a rien compris? Qui ne comprend pas? Parce que voici quelqu'un qui nous dit que la réponse de l'homme à l'appel de Dieu s'appelle à quoi? La réponse de l'homme. Alors, monsieur, je veux vous dire quelque chose. Dieu ne vous a jamais appelé. Souffrez que je vous parle. Vous avez des écoles de catéchèse où vous endoctrinez des petits-enfants de moins de 5 ans. Vous appelez ça l'appel de Dieu? Merci. Père Mikala, vous avez la parole. Lorsqu'il saute même d'abord la réponse libre. Libre, peut-être libre, et c'est fondamental. Parce que qui est libre? C'est celui qui connaît la vérité. Et qui est la vérité? C'est Dieu qui est la vérité. Bon, mais vraiment, me ramener à ce type de discussion des gens qui ne connaissent même pas le béaba de la philosophie, c'est très grave. Hein? C'est très grave. Je croyais qu'on était à un niveau ici. Mais ce genre de jeu, vraiment, ce soir. Je trouve cela regrettable. Donc, que les gens se calment. Merci. On va se calmer avec le grand roi. Je peux terminer. Oui, on va se calmer parce que attention. Bien sûr, être là, ça me dit de quoi et de ma vie. Certainement, quand même, c'est peut-être un cas d'invitation. Je parle de la création. Et prendre pour citer la théologie. Le discours théologique n'est pas le discours pour les chercheurs scientifiques. Lorsque vous lisez le texte que Ndjibokas a évoqué tout à l'heure, le texte n'a pas pour but de donner des réponses aux chercheurs scientifiques. Personne ne peut vous dire exactement comment s'est passée la création. Personne ne peut vous dire exactement, dans les absolus, comment s'est passée la création. Pourquoi? Parce que, au niveau des sciences empiriques, personne n'était là pour voir comment la création s'est passée. Alors, Père Michael, est-ce que la Bible ne nous dit pas, Père Stéphane? Alors, je reviens donc. Alors, est-ce que la Bible ne dit pas que Dieu. Le texte a un but précis. Amener l'homme comprendre ce que les sciences empiriques ne nous ont pas donné l'opportunité de maîtriser. Et pour comprendre cela, il faut avoir la foi. C'est pour cela que je dis, la vie ne se limite pas seulement à la raison. Il ne faut pas seulement s'arrêter à la raison. On va revenir sur le thème. On a besoin aussi de la foi pour pouvoir comprendre un certain nombre de choses. Nous ne pouvons pas comprendre ce que c'est la création. On n'a pas la foi. Les Kabyles ne comprennent pas. Oh là là, mais c'est pas possible. Non, Père Michael, on va revenir quand même sur eux. Nous avons quand même un sujet qui nous intéresse. Amenez-moi des amis ici. Non, c'était mon plateau. Vous respectez mon plateau parce que. Je le respecte. Merci. Je le respecte. C'est vous qui me respectez. Je me demandais de vous amener. Que nous avons un thème et vous n'allez pas. Ne demandez pas d'amener. Parlons de la culture de la pensée touchée. Donc respecter c'est respecter mes invités. Aussi non.
parler de blague. J'ai parlé tout le monde. On va m'appeler le ministre qui va faire vos nous avons notre voisin d'à côté, qui a analysé ce texte qu'on appelle le papyrus de Brimaring. Alors, dans ce papyrus, nous y retrouvons le monologue de Ra. Ra parle. Il dit que lorsque je suis arrivé à l'existence, j'ai trouvé qu'il y avait déjà un Dieu qui existait avant moi. Je vous dis, lisez ces bien, exploitez bien ces choses. Parce que lorsque on vit ici, on est fort et ça fatigue. Alors, lisez ce bout-là. Vous comprenez en espagnol la tradition de alors, ce purus de combattre les cabines. Il y a un Dieu qui a toujours existé, qui n'a pas été créé. Et certains kamites l'appellent Paouti. Paouti qui est représenté par trois choses. La première chose, c'est le canard sauvage volant. Pa. Pour ceux qui prétendent connaître les hiéroglyphes. Sauvage, la valeur phonétique, c'est pas. Alors, la deuxième chose, c'est le poulet en train de se promener sur la basse cour. Et la valeur phonétique, c'est U. Alors,
Et la troisième chose, c'est l'aigle, stable sur une branche d'arbre. Et la valeur phonétique de cet aigle, c'est ti, pas oti. Et c'est ce dieu-là qu'on appelle le dieu suprême, selon les Kamites. Et ils disent que ce dieu est caractérisé par trois choses. Les trois choses, c'est-à-dire le canard sauvage volant, représente quoi? Ça représente la transcendance de Dieu. C'est un dieu transcendant. Bon, maintenant, le canard, le poulet se promenant sur la basse-cour, ça parle du devenir. C'est-à-dire que ce Dieu, non pas, il n'est pas seulement transcendant, mais il est aussi capable d'amener des choses à devenir. C'est pour cela que j'insiste sur le mot Kepra. Même si les gens viennent raconter des histoires, c'est la littération. Ce sont des histoires, c'est la littération. Mais la littération que je connais des textes du langage de Médoumeter, c'est Kepra. Alors, devenir, ce Dieu est capable d'amener des choses à devenir. Et puis, l'aigle qui est stable sur une branche d'arbre, le tit en question, ça représente quoi? Ça représente la constance. Ce Dieu est constant. Il amène des choses à devenir, il est transcendant. Et ça, c'est vraiment notre Dieu. C'est-à-dire, le Dieu transcendant et immanent. Et là, je peux rejoindre les Kamites qui le disent. Alors, que dire donc du docteur Etoundé qui, quelle d'abord votre lecture de, sur, voilà, vous avez dit que vous rejoignez les Kamites qui le disent. Non. Et docteur Etoundé qui a quand même frappé fort en disant que vous n'êtes pas différent de ces Kamites qu'ils présentent comme étant ceux-là qui veulent amener l'humanité à la perdition, puisque vous avez choisi des morceaux, vous avez choisi des morceaux pour proposer aux fidèles. Alors, l'Écriture sainte aide l'homme à aller à la rencontre de Dieu, parce que c'est Dieu l'instigateur du mouvement de la foi. C'est Dieu qui vient vers l'homme. Il appelle l'homme et l'homme doit répondre. C'est pour cela qu'on parle de l'appel universel. Il dit que vous avez choisi des morceaux pour... Écoutez, je suis en train de répondre à votre question. Moi, je suis d'accord avec ce qu'il dit. Et pour répondre à cet appel de Dieu, chacun utilise les textes qui arrivent à le convaincre. Ce n'est pas tous les textes qui peuvent vous aider à répondre convenablement, authentiquement à l'appel de Dieu. Docteur Abaté, est-ce qu'une culture est au-dessus d'une autre? Encore faut-il qu'on s'entende sur ce qu'est la culture. Parce que il y a en ce moment, et c'est l'un des reproches que je fais au mouvement kémitis, que je considère comme de l'égyptolatrie, c'est de réduire la culture soit au folklore, soit uniquement à l'élément religieux. Nous avons deux approches principales lorsqu'on veut parler de la culture. Il y a la rationalité occidentale qui va essayer au cours des 20 derniers siècles de distinguer l'élément religieux de l'élément culturel. Mais on va voir qu'au bout d'un certain temps, cette rationalité elle-même n'est pas arrivé à faire la distinction. Je vous prends le cas de M. Vauquiez, qui est maire dans une commune de Paris et qui va faire à Noël exposer une crèche. Et ses opposants vont lui rappeler le principe de la laïcité. Il va leur dire que ce n'est pas une crèche, il a fait une exposition de saintons. Les saintons étant des petits bonshommes qui font partie de la culture occidentale. Donc là où on pensait avoir disséqué culture et religion, on se rend compte que ce n'est pas le cas. Par contre, l'approche qui est la nôtre et l'approche sémitique, c'est un tout global dans lequel que nous appelons la culture et dans lequel on a la religion, on a la manière de manger, on a la manière de parler, on a la manière de s'habiller, on a la manière de réfléchir, on a la manière d'écrire. Et donc, aujourd'hui, quand nous parlons donc de culture, nous parlons de quoi exactement? Alors, vous êtes quand même expert en droit canonique et on nous a appris de manière basique pour comprendre un mot. Il faut le disséquer. C'est ce que je suis en train de faire. Culture vient de culte. Oui, c'est ce que je suis en train de faire. Non, justement, la rationalité occidentale distingue le culte du cultuel. Non. Vous voyez, c'est différent. Et c'est justement ce que je suis en train de dire. Vous voyez qu'aujourd'hui, cette mauvaise logique nous a amené à l'émergence de deux personnages. Nous avons les traditionalistes et nous avons les gardiens de la tradition. Vous voyez, c'est deux choses. Les traditionalistes, c'est qui? C'est des personnages quelque peu bizarres. Qui se présentent souvent sous des accoutrements assez interrogants, qui ont appris quelques mots
d'une langue qui présente comme l'égyptien ancien et qui, à force de raccourci, essaie d'expliquer ce qui n'est pas explicable. Et vous avez à côté ce que nous appelons les gardiens de la tradition. Vous avez parlé tout à l'heure du Sef Sokoudjou. J'ai fait, vous savez qu'il y a une exposition, La Route des Chaufferies. Bien entendu. Voilà, que j'ai faite il n'y a pas longtemps avec mes collègues. Et nous avons justement été reçus par le chef en question. Aucun des gardiens de la tradition que nous avons écouté sur la route des chefferies, nous sommes allés jusqu'à la chefferie Bamoun, aucun ne se réfère à l'Égypte. Aucun, dans aucune cosmogonie, ne se réfère à l'Égypte. Alors, il faut trouver qui sont les imposteurs. Ce sont nos traditionnalistes de fortune, ou autoproclamés, ou ce sont les gardiens de la tradition. Ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsque nous parlons de la culture africaine, arrivons à ce que... Qu'est-ce qu'on met dans la culture africaine? C'est de voir des gens affublés de plumes, en dansant, en disant « ça c'est notre culture ». Mais la culture est plus large que ça, c'est une manière d'être. C'est toute notre manière d'être. Aucune culture serait supérieure à une autre. Aucune culture n'est supérieure à une autre. Mais il y a des civilisations plus fortes que d'autres à un moment donné de l'histoire. Parce que la civilisation est l'expression d'une culture. La culture étant immanente à chaque homme. Chaque homme appartient à une culture. Et maintenant, cette culture se structure en civilisation. Et il y a un moment donné de l'histoire, des civilisations qui portent plus que d'autres. Mais strictement, la culture, elle est commune à tous les humains. Il n'y a pas un humain sans culture. Il n'y a pas un humain en dehors de la culture. Et la culture englobe la totalité de l'être humain. Il n'y a pas un élément de l'être humain qui échappe à la culture. Alors, est-ce que la religion n'est pas un élément culturel? C'est ce que je suis en train de vous expliquer, que dans l'approche occidentale essaie de distinguer culturel de culturel. Et ça, vous le retrouvez, que ce soit dans le langage politique, que ce soit dans le langage juridique. Ils essaient de le distinguer. Par contre, dans l'approche sémitique et dans l'approche africaine, parce que kémitique, je ne sais pas très bien à quoi ça renvoie, nous avons un tout culturel. Je vous prends un exemple. Le rite les Sani, c'est une manifestation culturelle ou religieuse. Alors, bien malin qui peut le dire. Le rito, c'est quoi? C'est une manifestation religieuse ou culturelle. Bien malin qui peut le dire. Donc, nous avons dans le même élément des éléments religieux. Alors, père Stéphane, est-ce que ce n'est pas la pauvreté de la langue française permettez, puisque en 2000, la langue française avait 100 000 mots et la langue anglaise avait 400 000 mots. Est-ce que ce n'est pas cette pauvreté qui amène une interprétation ambiguë parfois de certaines notions qui ne peuvent pas être expliquées? Ce n'est pas la pauvreté, la langue. Il faut faire l'histoire de ces peuples, comprendre les mécaniques, les dynamismes et le vocabulaire utilisé. Pendant 20 siècles, il y a un combat entre le pouvoir temporel et le pouvoir religieux. Le pouvoir temporel prenant le dessus à certains moments, le pouvoir religieux faisant le dessus à certains moments. Pourquoi? Et à un moment de l'histoire, on va dire, bon, écoutez, nous sommes fatigués de nous battre, tu vas de ton côté, je vais de mon côté. Et donc, après la Révolution française, notamment, on va commencer à distinguer ce qui est culturel de ce qui est culturel. Et je suis en train de vous dire que même dans cette distinction qui est déjà juridique, formulée, qui est politique, parlée... Formulée par qui? Formée par le vocabulaire juridique occidental. Je vous dis qu'il y a des éléments culturels. Pensez-vous que ce qui est fait en Occident est ce qui est fait en Orient? C'est ce que je suis en train de vous dire, qu'en Orient, ils ont une autre approche. Une autre culture. Oui, ils ont une autre approche de l'affaire. Ils ont un tout culturel dans lequel il y a des éléments religieux. Quand vous prenez par exemple le judaïsme. Quand vous faites un cours de judaïsme, vous avez le droit dedans, vous avez la religion dedans, vous avez le social dedans, vous avez la finance dedans. C'est un cours de judaïsme. Alors, parce qu'ils ne distinguent pas. Alors, père Stéphane, est-ce que vous ignorez que dans le sceau, c'était exactement la même chose? Il y avait une initiation militaire, il y avait une formation spirituelle, il y avait pratiquement ce tout. C'est ce que je suis en train de dire. Dans la culture négro... C'est ce que je dis, c'est ce que je dis. Je suis en train de dire que nous ne distinguons pas le culturel du culturel. Merci. Alors, je reviens donc à vous, vous qui êtes en charge, hein, vous qui étudiez au quotidien les civilisations et les religions. Docteur
Et on revient sur le thème parce que les téléspectateurs, on va lire, hein, on va lire quelques messages pour être en phase avec ces téléspectateurs. Bonsoir King et à tous les panélistes, toutes mes civilités à votre riche panel et surtout soutien total au PDG Jean-Pierre Amoribilinga. Juste pour intervenir sur le don du père Minkala de distinguer les faux kamiks, chrétiens, Rose-Croix et autres, tout ceci pour s'auto-crédibiliser Mbeng Stan Ondoa depuis Dallas au Texas. Merci à vous et pour tout ce, pour ce soutien. Bonsoir King Nathan. Brameta Kungan est plus puissant que Ndibokas. Bertrand depuis Bertois. Oh là là, est-ce qu'on va tester deux mecs? Bonsoir. Bonsoir King Nathan et à tes invités. Lis Genèse chapitre 1 verset. Au commencement, Dieu créa signifie le commencement de la création de ce qui existe, créé par Dieu. Et même quand il lit que l'Esprit de Dieu était sur les eaux, ça signifie que les eaux sont déjà créées par Dieu quand il crée les cieux et la terre. Samuel depuis Ekounou. C'est un peu compliqué, Samuel. Bonsoir King Nathan, s'il vous plaît, lisez mon message. Le prêtre que c'est ce père, il parle de quel papyrus de Rhin? Celui dont tout le monde connaît en Allemagne est celui qui est écrit par Ames, le scribe qui était mathématicien. C'est Carole depuis la Pologne. Voilà. Il voudrait, Carole depuis la Pologne qui aimerait s'entretenir avec Père Minkala bien après. Bonsoir, c'est Elon Yvan. Le kémétisme panafricain cherche à faire connaître et renaître la philosophie des anciens Égyptiens ou kémétisme en tant qu'héritage culturel de l'Afrique. C'est une tendance identitaire panafricaine, une forme de réappropriation. Retour aux sources pour Jean-Philippe Omotunde. Merci également à vous. Bonsoir, King Nathan. Trop de dogmes dans le christianisme, comment comprend-on avec la foi, cher père? Je souhaite que Dr Minkala nous dise comment reconnaître un individu qui a la foi et comment qualifier la foi. Bon, c'est pas le... Voilà, on va rester sur le thème, hein, puisque on a failli nous écarter totalement du thème. Dieu merci, on reste vigilant. Bonsoir à tous. Je suis Charles depuis Chicago. Joli panel, seulement la qualité du son qui, voilà, on se bat pour notre grand fan, voilà, pour notre grand fan Charles depuis Chicago. Nos équipes sont à pied d'œuvre pour une meilleure qualité, bien sûr, de son. Voilà, rassurez-vous. Bonsoir, aujourd'hui le plateau est très excité. Les prêtres ne répondent pas aux questions qui leur sont posées. On ne lira plus les questions qui ne sont pas. Voilà, c'est Émile depuis la Côte d'Ivoire. Pour ceux qui envoient des questions sans signer, on va faire l'effort de ne pas lire ces questions. Bonsoir à tous. Et je veux être d'accord avec le Kamit Ndibokas, mais nos chemins se séparent quand ils essaient de dire que le Noun précède Dieu. Qui a donc créé le Noun? Je ne sais pas pour les religions importées qui est une forme de colonisation culturelle, mais je suis conscient qu'il y a un être qui a tout précédé sur ce monde. Liaskov, depuis Washington. Auditeur inconditionnel. Voilà, certainement, vous l'avez dit, téléspectateur. Merci à toi, Yaskov, qui nous regarde. Alors, on va revenir sur le plateau. On va revenir sur le plateau, docteur Etundi. On parle de ces textes sacrés, de ce Noun, dont vous avez également fait évocation. Et jusqu'ici, on ne sait pas qui est venu avant l'autre, le Noun ou Dieu. Mais d'aucuns disent qu'il est venu avant Dieu, d'autres qu'il était, que Dieu est une émanation du Noun. Moi, je voudrais savoir quelle est donc la nature de ce méta-univers qui est tellement prisé par vous, les spiritualistes, appelés nous. Automatiquement, on voit qu'il y a plusieurs dieux. C'est ce qu'on peut dire. Parce que s'il y a un dieu qui émerge du nous, il sera différent du dieu originel, si on veut rester logique. Et puis quand on me parle de nous, on me parle de zo. Le problème, c'est que sur le plateau, on ne peut pas se comprendre. Vous n'avez pas oublié de vous comprendre. Oui, ce que je veux dire, c'est que en ésotérisme, lorsqu'on parle des eaux, ce n'est pas l'eau de Kamwata. Donc, vous voyez que je vais discuter avec le Kamit, mais est-ce qu'il a les ressources pour qu'on puisse échanger? L'eau, en ésotérisme, représente les terres. Donc, on ne peut pas se comprendre. Parce que pour vous, c'est l'eau qu'on puise à la rivière. Vraiment, il y a un tel décalage que ce n'est pas la peine qu'on discute. Lui va me ramener les choses de l'université. D'ailleurs, toute la science du kémit sur le plateau est universitaire. Ça signifie qu'elle vient de chez les Blancs. Et elle vient parler ici comme s'il avait quelque chose, quelques connaissances du kémitisme africain. Vous récitez les choses que les Blancs ont structurées,
et qu'ils ont décidé de mettre dans les programmes universitaires d'origine occidentale. Donc ça signifie qu'ici sur le plateau, s'il y a quelqu'un qui joue le rôle, qui joue en faveur des Blancs, c'est le Kémitis. Ah bon? Oui, parce que tout ce qu'il me raconte là, d'ailleurs il a bien en veste, le monsieur a bien en veste, un habit occidental, il parle la langue française. Et il a l'outrecuidance de tirer... C'est un argument, monsieur. Et laissez-moi les déployer. Allez-y. Soyez un peu polis. Ça existe quelque part là-bas dans le kémitisme. Merci, allez-y, docteur Etounzi. Chaque seconde est précieuse sur ce plateau. D'accord. Donc, je continue en disant que le kémitisme, il va me parler de l'Égypte qui avait fait ceci. On a triché. On ne triche pas. Mais ça, quelle est la nature de ce méta-univers qu'on appelle nous? La nature est une nature éthérique. On dit les eaux, mais ce n'est pas les eaux. On dit c'est un fleuve. Le fleuve, c'est quoi? C'est un magma. Comme lui-même disait, d'atomes. On peut parler de feu, de l'eau. Tout vient de l'eau, d'accord, mais ça, c'est selon l'angle que vous préférez. Mais en ésotérisme, on considère que les éléments fondateurs, ce n'est pas seulement l'eau. C'est le feu, c'est l'air, c'est la terre. Merci. Par exemple, dans les cosmogonies hindoues, on ne parle pas d'eau. Merci. C'est important. On parle du foyer originel. Ça signifie qu'on est déjà dans l'élément feu. Et pour eux, feu et eau signifient des éléments primordiaux. Merci. On va faire plaisir. Hein? Ouais. On va faire un clin d'œil à nos annonceurs qui nous regardent. Et on revient juste après. Un contrat est un accord de volonté. Oh. Quelqu'un disait... Un mendiant en bonne santé est plus heureux qu'un roi malade. C'est-à-dire que nous devons investir dans notre santé. Lorsqu'on est en santé, il faut investir dans la prévention. Et la prévention ne veut pas dire que prendre des drogues tout le temps pour calmer les douleurs, pour effacer les douleurs, pour anéantir les douleurs. Au contraire, la douleur, c'est un langage corporel qu'il faut diagnostiquer, qu'il faut écouter, qu'il faut comprendre. La douleur est une alerte. Est un signe d'alarme que lance notre système afin que nous puissions prendre des dispositions pour éradiquer la cause. C'est pour ça que je vous le dis toujours, ne cherchez pas seulement à éliminer la douleur sans en savoir exactement quelles sont les causes. En médecine holistique, justement, le diagnostic est lié à la douleur. C'est-à-dire que la douleur nous aide très souvent à savoir exactement qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Parce que nos organes de l'intérieur nous parlent à travers cette douleur. C'est pour ça que le diagnostic, la plante des pieds à travers des palpations spécifiques sont très utiles. Le diagnostic abdominal à travers des palpations spécifiques est très utile. L'analyse de la langue et même des palpations spécifiques au niveau de la colonne vertébrale nous permettront de dégager un certain nombre d'éléments qui pourront permettre de poser le diagnostic et de vous dire exactement ce qui se passe en vous. Nous avons donc décidé aujourd'hui de vous parler de l'oppression et les sensations de douleur à la poitrine. Parce qu'il y a plein de dames qui en souffrent, il y a plein de messieurs qui en souffrent, qui sentent une oppression, qui sentent que la poitrine, elle est comprimée, elle est oppressée, elles sentent des douleurs. Et elles ne savent pas exactement à quel sens se vouer. Très souvent, ces symptômes sont liés à une déficience au niveau de la fonction de l'estomac. Très souvent, ces symptômes sont liés à une déficience au niveau de la fonction pulmonaire. Très souvent également, ces symptômes sont liés à une déficience au niveau de la fonction cardiaque. C'est-à-dire que si vous avez une oppression et des douleurs au niveau de la poitrine, il faut penser à la fonction des poumons, il faut penser à la fonction, n'est-ce pas, de l'estomac, il faut également penser à la fonction du cœur, et je vais même aller plus loin en vous disant qu'il faut penser à la fonction de la péricarde. Et le diagnostic ne peut être bien posé qu'en faisant une analyse assez profonde de ces différentes fonctions organiques et savoir quelle est la part de chaque organe dans la survenue de ces symptômes. Et le diagnostic posé, la cupping thérapie, c'est-à-dire la médecine par les ventouses, peut être très utile. L'acupuncture générale peut être également très utile. Et également, dans certains cas, la phytothérapie et certains exercices de relaxation et de respiration peuvent également être très utiles. Donc, si jamais vous avez une oppression au niveau de la poitrine, et des sensations de chaleur, de douleur qui irradient vers les épaules, vers le dos, je pense qu'une bonne prise en charge holistique permettra donc d'éradiquer totalement ce symptôme et surtout la cause directe
du symptôme. C'était la capsule du jour. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre capsule tout aussi croustillante. À très bientôt. Retour sur ce plateau, bonsoir King. Les créationnistes sont généralement des croyants intégristes qui veulent conforter leurs croyances avec des notions scientifiques qu'ils ne comprennent pas ou qu'ils déforment. On est dans l'irrationnel. L'auteur est une détourne en rond, donc soit il libère les vannes, soit il arrête de faire des scrions. Dina depuis Paris. Voilà, bonsoir King Nathan, ce faux pasteur, non. Monsieur Guy depuis le Gabon, on est respectueux. Alors, lorsque vous voulez écrire, rassurez-vous. Vous avez que le texte respecte toutes les normes éthiques et esthétiques. Bonsoir, le King. S'il vous plaît, le Père Minkala nous dit si Dieu avait créé l'homme sans testicules, sans femme. Bon, la Bible vous le dit déjà. Parce que... Bonsoir, King, et à tous les pas. J'ai découvert l'émission il y a 2 semaines. J'en suis tellement fan. Je souhaiterais débuter. Par tous vous remercier pour la qualité de vos enseignements et la profondeur de vos échanges, quels que soient vos penchants spirituels. À mon humble avis, je pense que le problème survient au moment où chacun veut faire croire que Dieu ne se trouve uniquement que dans sa pratique. Alors j'ai appris que si on peut définir Dieu, il faut l'imaginer comme un intervalle de moins l'infini à plus l'infini. Donc ce qui existe n'est pas la représentation de Dieu, que ce soit le bien, le mal, la colère. Rien n'existe si Dieu ne l'a créé. Dieu est aussi... bien présent dans les pratiques traditionnelles, le kémitisme, le christianisme, dans l'islam, la rose croix, qu'en pensez-vous? Darcial, un Gabonais depuis Rennes en France. L'émission passe tous les jeudis. Passez le message. C'est comme ça que cette émission est devenue internationale, parce qu'on passe le message. Bonsoir King. S'il y a 2 commencements, ce qui pourrait être vrai, si nous nous maintenons qu'il y a le dualisme en toutes choses, prenons un exemple, le serpent des reins qui est le serpent de la vie et le serpent pharaonique qui est le serpent du mal. Père Minkala va vous lire les passages d'Ecclésiaste, je crois, chapitre 42, verset 24. Il a raison quand tu as la foi que Dieu te permet de lire entre les lignes invisibles de la Bible. Voilà. C'est Koukou Kamita depuis le Sénégal. Alors, on revient sur le plateau. Dieu, le Noun, sa nature est éthérique. Ce sont les eaux. Si vous permettez, Nathan, j'ai été interpellé à plus d'un titre ici. Très rapidement. Et je vais revenir dessus. Bon, apparemment, le docteur Etunji a un problème avec l'université. Je prierai donc le docteur Etunji de quitter l'université. Parce que certainement, il donne des faux enseignements aux enfants de ce côté-là. C'est pas fort ce que vous dites là. C'est pas fort, puisqu'il dit que ce que je prends. Voilà, parce que. Il dit que tu es au courant. Il dit que tu es mon étudiant. Très bien, comprenez-moi. S'il vous plaît, demandez qu'on respecte votre plateau. S'il vous plaît, Nathan Amélie, s'il vous plaît, Nathan Amélie, s'il vous plaît, votre plateau là. Vous ne pouvez pas parler de la vie privée de l'enseignant. Ce n'est pas une vie privée. Vous allez demander qu'on. Monsieur Nathan Amélie, Père Minkala, Père Minkala, Père Minkala, Père Minkala. Père Minkala, Père Minkala, Père Minkala, Père Minkala, Père Minkala, Père Minkala, vous n'allez pas orienter ce débat, c'est moi qui rentre le débat jusqu'ici. Alors, non, Père Minkala, c'est moi qui rentre le débat. Merci, Père Minkala. Merci, Père Minkala. Merci, Père Minkala, c'est moi qui oriente le débat jusqu'ici. Oui, mais à condition que vous ne me donnez pas des injonctions, je suis désolé. Merci. 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 Déjà en direct et je l'insiste, j'insiste encore, le respect se doit d'être installé sur ce plateau. Alors vous allez retirer pratiquement ce que vous avez dit à l'endroit de docteur Etunji parce que c'est un docteur et vous ne pouvez pas qualifier ses enseignements de ce qui a été dit. J'insiste et personne sur ce plateau ne peut me dire ce qui a lieu de faire puisque je sais exactement où nous allons. Merci de le... Très bien Nathan Amougou, si il est arrivé et je ne crois pas l'avoir dit, si j'ai heurté le docteur, que le docteur m'en excuse. Mais je ne crois pas l'avoir heurté. Oui. Je répète ce que le docteur a dit me concernant. Que ce que je fais sur ce plateau, c'est réciter des cours à l'université. Ça veut dire que
Les enseignements que le docteur me donne, voilà, nous allons répondre aux questions. La nature du Noun, le docteur Etoune Dia dit, la nature est éthérique. Alors, vous, le kémitiste ou le kémite, votre Noun est éthérique, votre Noun est... C'est quel genre d'eau? Très bien. Nous avons dit ici, il y a quelque temps, que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Et tout est issu, c'est pourquoi chez l'Africain, la conception se passe toujours dans le mystère, dans ce qui est mystérieux. C'est pourquoi on parle toujours du noir, de l'obscurité. C'est là où tout se conçoit. Et se concevant donc dans ce noir, dans ce mystérieux parvient donc à se manifester. Et j'ai pris l'exemple du soleil. Nous avons une hypostase qu'on appelle Ra. Il y a donc ce qu'on appelle le soleil noir, le Rakem, qui est donc l'élément fondamental du soleil que nous pouvons observer. Ça veut dire quoi? Alors, si nous avons les eaux sur le plan physique qui peuvent couler, de même, il y a des eaux qui sont des eaux, je veux dire, un océan énergétique, je l'ai précisé. Un océan énergétique. Et dans cet océan énergétique, donc, il y a tous les archétypes. Et suivant un procédé précis, tous les archétypes qui sont dans cet océan donc, se manifestent. Le docteur... Quelle est la nature de cette énergie? Elle est électrique, calorifique, Je vous ai dit d'abord qu'elle est magnétique. Elle est magnétique parce que c'est ce qu'on appelle l'énergie centrifuge. Elle est magnétique. Donc c'est la nature de ces... Elle est magnétique parce que tous les éléments y sont. Et non pas la capacité donc d'émerger. Par un procédé énergétique électrique donc, l'énergie magnétique fusionne avec l'énergie électrique, ça donne donc l'énergie électromagnétique. Ce nous est situé où? Je vous ai dit, nous on ne parle pas des affaires du commencement. Vous comprenez? Bon. Quelqu'un m'a dit des créations, j'ai dit nous on ne glose pas sur le commencement. Bon, on voudrait savoir en tant que néophyte ou peut-être aspirant kamite, ce nous est situé où pour, dans le monde parallèle ou quelque part? Vous pouvez me dire où est situé le vent? On voit ces manifestations. On voit ces manifestations, très bien. De même, le Noun se manifeste à travers tout ce qui peut être visible, tout ce qui est invisible. C'est ça le Noun. Alors, si vous ne pouvez pas savoir où se situe le vent, n'allez pas me demander de savoir où se situe ce qui a fait le vent. Nous sommes d'accord. Et comment savez-vous que Dieu est... Non, c'est eux qui parlent de Dieu, moi je ne parle pas de Dieu. Vous comprenez? Ce sont les chrétiens qui parlent de Dieu. Le texte que Père Minkala a lu tout à l'heure. Je vais vous dire, voilà que Père Minkala fait d'abord une erreur grave. Quand il parle du papyrus de Ring, le papyrus de Ring, c'est un papyrus de mathématiques. Le papyrus Ring, c'est un papyrus de mathématiques. De Hamesu, qui a fait ce papyrus. Vous voyez? Vous pouvez taper encore sur votre téléphone, Docteur Minkala. Vous voyez un peu? Donc, fondamentalement, quand il vient me parler de la question de Ra dans le papyrus de Ring, moi, ça m'amène à m'interroger. Et il dit que dans le papyrus de Ring qu'il aurait lu chez un Espagnol qui a écrit ce livre, il dit que Ra dit qu'il y a un Dieu qui a existé avant lui. Est-ce que c'est vrai? C'est la question que je veux lui poser. Comment est-ce qu'on... Je donne les références. D'accord. Non, vous m'avez donné... Il va nous donner les références. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Oui, je donne les références. Permettez que je m'exprime, je l'ai pas dit. C'est faux, c'est faux. Permettez. J'ai parlé de Brimarine. Brimarine. Ce papyrus se trouve dans le musée britannique de Londres. D'accord. Vous n'avez pas parlé de papyrus voilà. De Ring. Pour l'exploiter, vous n'avez pas parlé de papyrus de Ring. J'ai parlé de Brimarine. Brimarine. Voilà. Vous n'avez pas parlé de Ring. C'est Carole de la Pologne qui est. Voilà. C'est Carole de la Pologne qui certainement n'a pas bien compris. Brimarine. Je vous ai compris. Et le papyrus se situe dans le musée britannique de Londres. Très bien. Merci. Bien exploité par Richard Wilkinson. Allons-y. Un grand égyptologue. Vous dites très reconnu. Ra a dit qu'il y avait un dieu avant lui. Que vous avez dit qui s'appelle Pah. Lisez le monologue de Ra. Parce qu'on ne dit pas Pah, on dit Ta. Première chose, je vais vous expliquer. Ta n'est pas le Dieu qui a créé. Ta est aussi issu du Noun. Parce que quand vous regardez. Moi, je n'ai pas parlé de s'il Ta. Vous plaît, ici. S'il vous plaît, je n'ai pas parlé prenez de Ta. Prenez le texte. Je n'ai pas parlé de Ta. Ne dites pas ce que je n'ai pas dit. Non, je ne peux pas. Non, non, vous avez parlé de qui? Je n'ai pas parlé de Ta. Vous avez parlé de qui? Je parle de Ra, le monologue de Ra. Et Ra dit quoi? Ra dit qu'il y a eu un Dieu avant lui, n'est-ce pas? Ra. C'est ce que j'ai parlé du monologue de Ra. Et Ra dit quoi? Ra dit qu'il y a eu. Vous vous trompez déjà. Vous avez dit que Ra a dit qu'il y a un Dieu avant lui. Oui. Et ce Dieu s'appelle comment? Avant d'arriver lui en existant, il y avait déjà un Dieu. Et ce Dieu s'appelait comment? Lui. Et ce Dieu s'appelait comment? Toi, tu considères que ce Ra. Et ce Dieu s'appelait comment? Mais ne donnez pas des choses que vous ne pouvez pas démontrer. Je vous dis donc que tout est issu du Noun. Que ce soit Ta
qui a émergé comme monticule, que ce soit Atumra qui est monté sur ce monticule dans l'acte de la création, tout cela est issu du Noun. D'ailleurs, quand vous prenez le livre de la vache du ciel, la vache du ciel, le livre de la vache du ciel, que dira? Il dit mon père Noun. Il parle en quelle langue? Il parle en égyptien ancien. Il dit son père Noun. Ça veut dire qu'il est issu du Noun. Il dit l'incréé. Noun l'incréé. Vous voyez très bien que quand on vient nous raconter des choses, et le docteur Minkal a dit le Medou Meter, non, c'est Medou Necher. Vous voyez très bien que sur cette question, l'Africain répond fondamentalement à la question de la génération. Comment est-ce que tout est venu à l'existence? Puisque Noun était avant que tout soit. Alors vous ne pouvez pas me dire qu'il y a ce qui contient tous les archétypes et vous me dites qu'il y a quelque chose qui est au-delà de ce qui contient tous les archétypes. Mais c'est un non-sens. C'est un non-sens. Ça veut dire que lui, il n'a pas tous les archétypes. Et que quelqu'un aurait donc décidé qu'il garde une partie des archétypes. Vous voyez très bien. Alors, on me parle des eaux. Le docteur Etunji a parlé des eaux tout à l'heure. Que quand on considère l'eau, on voit l'eau de la rivière. Quand vous voyez comment le français premier disait que l'eau, c'est quoi? Le français ancien, il appelait l'eau l'onde. Et c'est la même signification qu'à l'égyptien ancien. Puisque quand on représente l'eau, on le représente en onde. On ne le représente pas en matière physique, c'est en onde. C'est pourquoi nous avons parlé de cet océan énergétique. Alors, cet océan énergétique, dans une réplique de lui-même, a donc fait l'eau que nous pouvons voir. Et ces eaux-là, on le retrouve comme liquide amniotique chez la femme, comme le sperme. Monsieur le chimiste, oui. On peut expérimenter tout ce que vous nous dites. Parce que nous sommes dans la chimie. Et la semaine prochaine, on va voir comment entrer en contact avec tous. Allons-y donc. Si l'Africain a dit que Dieu est innommable, Dieu est insaisissable, Dieu est inconnaissable, pourquoi? Parce qu'il a plusieurs formes et aucune forme en même temps. Nous sommes donc les hypostases de Dieu. La nature est l'hypostase de Dieu. L'animal est l'hypostase de Dieu. Donc si vous voulez expérimenter ça, et c'est ce que les ancêtres ont fait, ils regardent à la nature. Ils observent la nature. Parce qu'en observant la nature, on a des tentatives de réponse, on a des tentatives de compréhension comment les choses ont été générées. Donc vous voyez très bien que au lieu de passer le temps dans les élucubrations et dans les affabulations théologiques en disant que un dieu est resté quelque part, vous allez il a citer, commencé merci. Par un les acte de magie, il a dit que la terre soit et la terre est apparue magiquement. On se pose bien la question. Merci. Père Stéphane, ça a beaucoup carburé ce soir et ça s'est allé dans tous les sens, mais on reste pratiquement concentré sur ce qui nous réunit ici ce soir. Alors, vous partagez la nature de ce Noun? Est-ce que vous avez même vent du Noun? Ou bien ce sont les eaux dont parle la Genèse? Ni les eaux, ni le partage. Parce que vous voyez très bien que notre ami, dans sa volonté de démonstration, est tout à fait perdu. Avoir tous les archétypes ne signifie pas qu'il n'en existe pas ailleurs. Ou qu'il n'existe pas une autre matière ailleurs qui puisse en avoir. C'est d'une évidence logique, mathématique, basique. Donc, et nous redisons que nous sommes en plein panthéisme, parce que j'ai entendu parler tout à l'heure d'hypostase, de manu. Nous ne sommes pas des parties de Dieu. Nous sommes des créations de Dieu. Et lorsqu'on merci, parle de quand il parle d'hypostase, l'hypostase participe de la nature même. C'est-à-dire que quand on parle d'immanence, l'hypostase participe de la nature même, de l'essence même d'une chose. Donc, nous ne sommes pas des hypostases. Dire que nous sommes des hypostases revient justement à dire que nous sommes soit des demiurges, soit des petits dieux, soit. Non, nous sommes séparés de l'essence de Dieu. Nous sommes des créatures. Donc nous ne sommes pas des hypostases. Nous sommes des créatures. Et vous voyez, c'est ça la difficulté de ce que j'appelle l'égyptolatrie, c'est-à-dire à vouloir diviniser toute cette affaire. On finit par s'en mêler les pinceaux entre panthéisme, animisme, néoplatonisme, évolutionnisme, Big Bang. À la fin,
je crois qu'ils ont besoin de refaire la... Nous disons, et je suis content qu'il ait parlé de l'incréé. Nous disons depuis... Parce que le problème que nous avons, et c'est ce que le père voulait expliquer, il y a les domaines de rationalité. Là, je me raconte, nous sommes en dans un matérialisme d'une puérilité effrayante. L'homme est matière et esprit, quand même. C'est-à-dire, nous avons une dimension. Bon, là, nous sommes. Je suis effrayé par cette approche. Très effrayé. Vous pensez que les Africains commettent. Non, mais je rejoins un peu. C'est très rare, mais je rejoins un peu ce que le docteur Etoudi disait. C'est presque de l'injure. C'est de dire que nous sommes incapables de conceptualisation. C'est de dire que nous sommes incapables de spiritualisation. C'est de dire que nous sommes incapables de projection. Si nous sommes à un matérialisme aussi improductif. Donc, nous disons qu'il y ait une matière primordiale. Et je reviens à la très mauvaise lecture qui a été faite tout à l'heure. Dieu créa le ciel et la terre. Et on dit qu'il n'a pas créé l'eau. L'eau se trouve où? L'eau se trouve où? Se trouve sur la terre. On dit qu'il créa le ciel et la terre. Et on dit qu'il y a l'eau sur la terre. Et il vous dit qu'il n'a pas créé l'eau. Vous comprenez? Quand nous sommes dans la théorie du Big Bang, quand nous sommes dans la théorie de l'évolution, quand nous sommes dans la théorie du Noun, il est tout à fait clair. Appelez-le comme vous voulez, qu'il y ait une entité, qu'il y ait une force, qu'il y ait une énergie. Et je suis même très inquiet qu'on nous parle d'une énergie électromagnétique. Serions-nous tous magnétisés? Bon. Qu'on me parle encore d'une énergie alchimique. J'ai entendu ça quelque part. Ça se comprend. Qu'on me parle d'une énergie divine, donnant la vie ou boostant la création, je peux comprendre. Mais que nous sommes un océan électromagnétique, on n'est pas dans une sonde ou dans un laboratoire de physique. Nous sommes des êtres humains qui ne sont pas magnétisés ou ne sont pas des aimants ambulants. Donc, je crois que nos amis gagneraient, non pas à s'attaquer à la théologie qui est, je crois, un cran au-dessus, parce que là, nous parlons des choses du ciel, nous parlons des choses supérieures et tout, mais je crois qu'ils ont besoin de soit notre doctorant n'est pas très au point, ce qui est tout à fait compréhensible pour un doctorant. C'est tout à fait compréhensible pour un doctorant. Il n'est pas peut-être très au point de ces questions, où c'est nous qui avons du mal à entrer, mais certainement. Je vous assure que je suis inquiet, King Nathan. Merci. Il n'y a pas de mal à apprendre. Celui qui a cessé d'apprendre doit cesser d'enseigner. Merci. On va prendre lecture de cette utilisation. Bonsoir, King. Toute la matière qui nous entoure est composée d'atomes. Par exemple, un lingot d'or est constitué d'atomes d'or. Un prêtre sur le plateau a parlé du proton comme étant la plus petite que l'atome. Il ne sait pas que l'atome est composé d'un noyau central composé, lui, de protons et de neutrons, des électrons qui tournent autour du noyau sur différentes couches en fonction de la taille de l'atome. Que les prêtres évitent le sujet de la physique quantique à Monré Imhotep depuis Bruxelles. Bonne émission. Merci à vous, certainement, en Kamit, à Monré Imhotep, à vous, à Monré. Alors, Djibokas, l'émission tire à sa fin et ça a été véritablement houleux le plateau ce soir. Mais on pense quand même que les téléspectateurs doivent bénéficier de quelque chose. Ici, on reste dans cette nature. Et lorsqu'on a parcouru le magazine Science et Vie, on nous dit qu'il y a de cela 13,7 milliards d'années que l'univers ressemblait à une soupe de particules parsemée de zones plus denses, notamment les fissures amas galactiques. La Bible, le Coran et les autres livres sont quand même à l'opposé de cette vision, comme disait tout à l'heure Père Stéphane. Très bien. Vous savez, ça fait deux tours de table. Répondre à tout ce monde prendrait trop de temps. Je vais partir sur un fait très simple. Denise Durand et Poté déclare : si vous sous-estimez ce que vous faites, les gens autour de vous sous-estimeront ce que vous êtes. Alors quand j'entends que les traditionalistes sont des gens qui s'habillent de manière bizarre et qui ont un... Mais la bizarrerie est définie par qui? Vous voyez la colonisation mentale dont nous sommes victimes. Parce que là, nous comprenons que quand un prêtre porte son éphod, c'est normal. Quand un traditionniste porte sa peau de panthère, c'est bizarre.
Mais je préfère ne même pas revenir sur toutes ces choses. Je voudrais dire à Père Stéphane qu'il ne semble pas connaître la définition du panthéisme. Le panthéisme ne signifie pas que nous sommes des parties de Dieu. Vous qui nous dites que nous n'avons pas bien suivi notre cours à l'université, que nous n'avons pas fait, je vous conseille donc de reconsulter votre dictionnaire. Le panthéisme est une doctrine qui voudrait que en tout, Dieu se retrouve en tout. Non pas que nous soyons des parties de Dieu. Exactement comme je me retrouve dans chacun de mes enfants. On peut m'identifier à partir de chacun de mes enfants. Ça ne veut pas dire que, quand je dis que mon enfant est une partie de moi, mais ça ne veut pas dire qu'il est mon bras ou qu'il est ma jambe. Donc, quand cela est dit, je voudrais revenir sur l'essentiel parce que nous n'avons plus le temps. Il ne faut pas que les gens confondent le principe du lac archétypal du principe d'un Dieu qui crée. Parce que ce que nous disons, et apparemment, nos frères chrétiens, tous de différents genres, ne semblent pas comprendre que lorsque je vais créer un enfant, je vais procréer un enfant, au départ, il y a une soupe, et dans toute cette soupe, il y a tous les éléments qui vont constituer l'enfant qui va naître. Et c'est exactement pourquoi vous dites que le naturel est un type du spirituel. Allez prétendre que c'est du matérialisme. Vraiment, c'est moi qui ai vraiment envie de pleurer. Parce que s'il n'y avait que de la matière, il n'y aurait pas de mouvement. Vous comprenez qu'il y a une énergie qui gît dans la matière. Lorsque nous parlons du lac primordial, nous ne parlons pas simplement des atomes. C'est pourquoi on vous parle de Ka-Nun. Donc, je me suis évertué à essayer de dire qu'il s'agit de l'essence qui est dans la vie et de la substance qui est la matière. Et donc tout ça, nous allons considérer que c'est l'origine. Parce qu'il est clair qu'aucune vie ne peut venir en vie sans la présence d'une énergie. C'est absolument impossible. Il n'y a rien que vous puissiez créer sans avoir préalablement de l'énergie. Donc il n'est pas question de penser que lorsqu'on parle du nom, parce que le doctorant que j'appelle docteur a parlé d'atome. Mais dans l'atome lui-même, il y a la vie. C'est pourquoi lorsque je mange un poulet mort, vous dites qu'il est mort. Mais je le mange. Et s'il n'avait pas la vie, comment est-ce qu'il peut me nourrir? Il y a de la vie. Et c'est de la cette vie que nous appelons l'énergie. Pour dire que le lac n'est pas une espèce d'un dieu. Parce que lorsqu'on parle de Dieu, nous parlons des archétypes. Mais là, nous avons un Dieu qui serait apparu et qui crée à partir de rien, de rien du tout. Un magicien. Il n'y a rien. Dieu, Jéhovah n'a rien entre ses mains. Il est seul. On me fait signe qu'il nous reste 2 minutes. Oui, en 30 secondes. Comment peut-on, les chrétiens qui sont sur cette table, peuvent nous expliquer comment Dieu, leur Dieu Jéhovah, n'a absolument rien entre les mains, mais il crée. Comment il fait ça? David Copperfield. Merci Ndjibo Kasona. Père Mikala, on va profiter chacun en exactement 20 secondes chacun pour essayer de, voilà, d'avoir les 1 minute qui nous reste pour la suite de notre thème où ils nous démontreront comment prier même le Dieu ou même l'entité qui est au-dessus des Kamites la semaine prochaine. Première chose, Dieu est l'être incréé créant. C'est l'être suprême par excellence. Rien n'est au-dessus de Dieu. Deuxième chose par rapport au thème, quels sont les piliers de la théologie la semaine prochaine, kamitique? Alors, il y a la dualité Osiris, Seth. C'est très important. Merci, monsieur le Kamit. On dit que tout est paradigme. Et quand à chaque fois sortez d'un paradigme, rassurez-vous que quand vous venez, vous y entrez encore, que vous avez les éléments pour expliquer ce paradigme. Alors, on ne peut pas expliquer le paradigme africain à travers un paradigme occidentalo-chrétien. Merci. Voilà, on a Jim Twente depuis Ottawa, au Canada, qui vous demande de ne plus rappeler le titre doctorant, que c'est
C'est insultant. On a notre ami depuis le Canada. Alors, docteur Etundi, votre mot de fin, parce que l'émission est terminée en quelques secondes. D'accord. Je voulais dire qu'au-dessous de l'atome, c'est très clair, il y a le quark. C'est l'élément de base de toute matière, de toute manifestation. C'est important, parce que sinon on sort d'ici idiot. Le temps est terminé, voilà. On sort d'ici idiot. Le temps est terminé. Chacun aura un mot à dire la semaine prochaine. On va essayer de comprendre comment les Kamides rentrent en contact avec leur divinité. Créer à partir de rien, c'est ce qui distingue Dieu du démiurge. Le démiurge crée à partir de quelque chose. Dieu crée à partir de rien. Merci, mesdames, messieurs. Il est exactement 23 heures passées d'une minute au Cameroun. L'émission passe tous les jeudis lorsqu'il est 21h du Cameroun. Si vous avez vu le plateau suffisamment chaud, rassurez-vous, loin d'être un combat, ça reste un débat. Et c'est de la contradiction que jaillit la vérité, comme le disait Héraclite. Ce qui s'oppose coopère et le contraste des concrets crée la plus belle harmonie. Ça reste bien sûr cette agora qui permet de mettre en exergue la lumière. Loin de toute querelle, il le fallait bien sûr pour le juste équilibre des opposés. On dit à jeudi prochain pour une autre production et la rediffusion est prévue chaque vendredi à partir de 22h30. Pour tous ceux qui ont raté les temps forts de cette émission, allez vous abonner massivement sur la page Facebook King Nathan Amougou, page officielle. Allez vous abonner massivement et vous allez revivre les temps forts de ce qui s'est passé ce soir. Bonne suite de programme pour tous ceux qui ont envoyé des SMS qui n'ont pas été lus. Voilà, on fera des efforts davantage, venant bien sûr de tout le monde entier pour satisfaire la demande qui se voit abondante chaque jour. Merci à Bruno Bangalana qui était aux caméras et à Jimmy Lagaffe qui assura avec Maïs Clia la réalisation. À jeudi prochain pour la suite de ce programme.